Et bonsoir à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Bar des Fadas. Pour ce... Momo, tu as bugué, on ne t'entend plus. Ah, voilà, là, vous m'entendez mieux là ? Bon, on t'entend, t'en auras. Ah, voilà, super. Voilà, les amis, donc bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Bar des Fadas. On se retrouve pour ce débrief de Classico. Et comme à chaque live, je suis avec mon fidèle acolyte, Tonton Selou. Salut, Tonton. Salut, petit. Un plaisir toujours de faire des lives avec toi. Oui, Mino. Toujours. Donc, on va, Tonton, il va nous donner, comme d'habitude, son débrief sur la situation, sur le match. Ensuite, je vous donnerai la mienne. On vous mettra le lien pour ceux qui veulent monter et venir débattre avec nous. Et ensuite, on parlera de Galtier, voilà, où il y a des rumeurs comme quoi l'Olympique de Marseille s'intéresserait à Christophe Galtier et ils attendraient de voir la réaction des supporters pour voir si ça serait une bonne ou mauvaise idée. Voilà les amis, en attendant, mettez vos avis sur le chat, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un petit pouce, ça donne de la force à la chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, tout est gratuit. Voilà, vas-y Tonton, on t'écoute. Voilà, je voulais passer le bonjour à tout le monde dans le chat, à Cédric et à Bruno. Voilà, moi je voulais vous dire une chose. Maintenant, oh, et à Léonard, Tonton, il y a Léonard. Ah Léonard, allez comme salam Léonard, je ne l'avais pas vu, excusez-moi là. Et voilà, je voulais vous dire une chose mes amis. Moi, je suis supporter depuis tout petit, depuis 1960. J'étais au stade de Livourne, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui ne le connaissent même pas. Et après, j'étais petit jeune homme, j'allais tout seul avec des amis. Ça veut dire que j'étais indépendant de mon grand-père. J'allais avec mes amis des quartiers noirs, voilà, depuis 65. Moi, hier, je vous le dis franchement, personne ne va me faire changer d'avis. Personne, qui que ce soit. Que dans les autres lives, je m'en fiche. Moi, je dis ça que je pense. Voilà, hier, c'est une honte. On s'est fait dominer par le bois de Boulogne. On a joué comme si on était des poussins. On ne savait pas, on perdait des ballons, tout ça, qui que ce soit. Hein? Et quand j'entends Gigot après la conférence de presse, avoir un match retour, mais ça m'en fiche du match retour. Moi, c'était le match hier que je voulais voir. Il ne faut pas chercher d'excuses. J'en ai marre, ça me casse les couilles quand je vois ça. Ça veut dire, moi je vous le dis, et j'assume, et je l'avais dit, vous pouvez regarder des lives en arrière de 3 semaines. J'ai dit, on va se faire démonter contre le bois de Boulogne. Et on s'est fait démonter. Et moi, je n'ai pas honte à le dire. Et ben, je le dis, et pourtant, ça me fait mal au cœur. C'est que le bois de Boulogne a mérité la victoire. Où on était, nous? On a joué comme des petits poussins. Les juniors de l'OM, ils auraient mieux joué. Ça, c'est des professionnels. Ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas des minots. Ce sont des professionnels. Moi, je ne veux pas, Pancho. Moi, je ne veux pas l'entraîneur, même qu'il n'a pas fait son système de 4-3-3. Moi, je ne lui en veux pas. Moi, ça m'a donné un petit espoir. Après, j'ai un peu changé d'avis. Je reconnais, je l'ai dit. Quand j'ai vu jouer le match contre Amsterdam, ça m'a donné l'espoir. J'avais l'espoir qu'on allait faire quelque chose au bois de Boulogne. Mais on n'a rien fait, putain. Il faut arrêter. Il faut arrêter, j'en ai marre. Voilà, celui-là qui n'est pas content, je m'en fiche. Moi, je dis mon opinion personnelle et personne ne va m'enlever. Personne ne va m'enlever de la bouche. Vous n'étiez même pas encore, il y en a. Vous n'êtes même pas dans les couilles de vos grands-pères comme moi j'allais à Livourne. Livourne, il y en a qui ne le connaissent même pas. Alors, ne me dites pas, oui, ça. Et de Paul Lopez, putain! Moi, que je suis un idiot. Le premier but que tu encaisses, c'est de ta faute. Tu as tué le match. Et ce n'est pas la première fois. Moi, je ne veux plus de Paul Lopez. Je m'en fiche. Hein, les gens qui m'écoutent, qui ne m'écoutent pas. Qui sont pour Lopez. Ça veut dire pour Lopez ou contre Lopez. Moi, je ne veux plus de Lopez. Il me fait caguer dans le pantalon. Chaque match. Et ça, c'est le premier match. Le premier match, les autres, c'était les petites équipes. Même les Lyon qui sont derniers, eh ben, quand ils vont jouer contre l'OM, ils vont être motivés. On va voir si ça ne prend pas une déconnade, une rouste. Hein? Oui, oui, l'OM. Mais moi, j'aime l'OM plus que vous. Qu'est-ce que tu veux me dire, moi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, moi?
Ouais, moi j'aime l'OM, mais j'aime l'OM à ma manière, à ma façon, comme à mon époque. On perd, on critique. Ça, c'est les vrais Marseillais. Va à Marseille maintenant, va dans les bars. Tu vas voir la tête qu'ils font, les Marseillais. Va au travail à Marseille, tu vas voir la tête qu'ils font. Hein, tu crois que. Hey, moi, je te le dis, je voulais plus regarder le match. J'avais peur de prendre 5 buts, je te le dis, ou 6 buts. Hein, mais arrêtez maintenant, hein, ne cherchez pas d'excuses. Moi, je veux une équipe combattante, je veux une équipe guerrière. Si on avait perdu même 10-0 et qu'on aurait mouillé le maillot, eh bien là, j'aurais eu le respect. Mais là, on n'a rien fait. 80% de possession des balles au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne. Et chaque balle qu'on avait, on ne pouvait même pas faire une contre-attaque, on perdait le ballon. Moi, je parle de toute une équipe entière. Hein. Moi, je mets le type en général. Hier, on s'est fait démonter, on a pris une leçon. Et le Bois de Boulogne, il se croyait à l'entraînement. Il s'entraînait contre nous, il nous ridiculisait. Moi, quand je voyais ça, ces joueurs-là, mais je dis, c'est pas des professionnels, ça, putain. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas des professionnels. Ça, c'est des... Mais même pas une équipe de 3e division, j'aurais joué comme nous. Eh, que ce soit le Bois de Boulogne, il ne faut pas se caguer dessus. Perds avec l'honneur. Perds avec le maillot. Mouille le maillot. Et après, je te dirai, chapeau, même qu'on a perdu. Mais hier, qu'est-ce qu'on a vu hier? On n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu, à moins que je sois un con. Je suis vraiment un con, vous avez vu quelque chose d'autre. Moi, j'ai rien vu. Et j'ai les couilles comme ça maintenant. Moi, je vous le dis, ça me casse les couilles. Et on va voir contre les autres équipes. Monaco, si on se prend encore un condamné à Monaco, encore un carton, on se prend plein de cartons. Eh, putain, ça va faire... Là, on va jouer contre les équipes de haut tableau. Et après, on va jouer contre les Anglais, la Bristol. Et tu vas voir, il faut arrêter maintenant, il ne faut plus chercher d'excuses. Moi, j'en ai marre. Moi, je préfère perdre avec l'honneur. Je préfère perdre quand le maillot il est mouillé. Au moins, je dirais, moi, l'équipe a essayé. Mais hier, qu'est-ce qu'elle a fait, l'équipe? Il faut arrêter. Oh, arrêter. Et vous parlez de Paul Lopez. Je m'en fiche, moi, de Paul Lopez. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole 22 minutes encore. Et. Écoutez-moi bien. Eh, mais moi, Galtier, je ne veux pas. Moi, c'est mon opinion personnelle. Moi, je ne veux pas de Galtier. Ça qu'il a fait à Nice, ça qu'il a été, qu'il a donné une gifle à l'effectif de l'OM. Eh, on me le dit, oh, calmez-vous, tout ça, moi, je suis Marseillais. Eh, moi, je vous le dis, et ça, moi, je le pense, personne ne va me faire lever. Eh, il n'aime pas les musulmans. Eh, que quand un joueur, il faut le respecter s'il veut faire la prière. Mais va faire la prière. Il faut respecter les religions. Mais il ne faut pas oublier d'où il vient Galtier. Hein. Il a le pied un peu. Hein. C'est un pied noir. Et on sait que ça veut dire les pieds noirs. Hein. C'est un fils de pied noir. C'est le seul des frères qui est né à Marseille. Autrement, ils sont tous nés en Algérie. Alors, tu vois, moi, maintenant, qu'on ne me dit pas qu'on ne cherche pas des excuses, je peux me tromper. Mais qu'on ne cherche pas des excuses, oui, c'est des fausses rumeurs, tout ça. Hein? Il faut arrêter maintenant. Oh, moi, Galtier, j'en veux pas. Pas pourquoi il est pied noir, d'autres choses. Mais moi, j'en veux pas par rapport à ce qu'il a fait contre Marseille contre Nice. Et ça, je peux pas l'oublier. Et je l'oublierai jamais. Voilà. Maintenant, arrêtez. Personne ne va me faire penser d'autre chose. Moi, je veux que l'OM mouille le maillot. On perd avec l'honneur. Ça, c'est le principal. Des autres, je m'en fiche à qui pense. Moi, je veux que l'OM, je préfère qu'ils perdent. Mais au moins qu'ils ont essayé de tout faire pour gagner aussi, à tout faire pour égaliser. Mais au moins, on est fiers de nous. Moi, je suis fier, attention. Moi, je suis fier de Marseille. Hein. Moi, je ne serai jamais contre Marseille. Jamais, jamais. Moi, je critique parce que c'est notre mentalité à moi. Ça, c'est la mentalité des vrais Marseillais, de Marseille. Moi, je critique. Pourquoi ça m'a touché au cœur? Ça m'a fait de la peine de se voir 80% se faire dominer par le Bois de Boulogne, possession de ballon, tout ça. Toutes les actions qu'ils ont faites, on les a manquées. Regarde, moi, je ne veux pas Minou. Il a manqué sa tête, Vitinha. Hein, à bout portant, presque à 6 mètres, je ne sais pas, là, à peu près. Hein, je ne veux pas. Ça peut arriver. Moi, le premier, on est des êtres humains. Mais moi, il n'y a que cette action-là qui m'a fait
Tu vois qu'il m'a fait un peu, on pourrait dire, un plaisir. Pour casser la mise, cette tête-là, peut-être. Peut-être c'est le changement de match. Hein. Mais il a manqué, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois? Mais je ne vois pas. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'ai rien plus vu. Rien plus vu. Les centres, les corners, ils n'auraient même pas tiré une corner, putain. Oh, ça, c'est l'équipe professionnelle ou quoi? Olé l'OM, olé l'OM, olé l'OM. On n'est pas n'importe qui. On est le club à légende, le club historique, le club à une histoire. Ça, tu ne peux pas l'oublier, cette histoire-là. Il faut mouiller le maillot. Et voilà comment ça s'appelle. Après, vous me dites des choses, comment ça s'appelle. Vous me faites des choses. Moi, je suis, et je resterai toujours. Je resterai toujours. Et personne ne m'a fait pour l'OM. J'aime l'OM. J'adore l'OM. J'aime ma ville et j'aime tous les supporters dans le monde entier. Voilà. Tous les supporters dans le monde entier, j'aime. Pour moi, c'est la famille. Les supporters de l'OM, je parle. Mais je veux critiquer. Critiquer, moi, je veux le critiquer. Voilà. Et maintenant, moi, je m'en fiche des autres chaînes. C'est ce qu'ils en pensent. Moi, je veux que l'OM soit à la hauteur. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, les amis. Une chose. C'est que moi, j'ai parlé avec un joueur de ballon aujourd'hui. Il a joué à l'OM, il a joué au Bois de Boulogne. Il m'a donné raison. Je peux même dire le nom. Tu vois, je le remercie. C'est Stéphane Delmas. Je redis le nom. Je respecte tout ça. C'est une brave personne. Il a joué à l'Inter Milan, je crois même. Il m'a parlé avec moi, il m'a donné raison. Je dis, maintenant, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que ce n'est plus l'OM des années 80. Et l'OM des années, et le Bois de Boulogne des 90, les classicaux, c'était Denis Lagardère. La différence d'argent n'était pas beaucoup. Mais là, c'était pire derrière, c'est le Qatar. On ne peut plus concurrer. On ne peut plus. Vous avez compris, on ne peut plus. C'est des milliards. C'est pas un président, c'est un État. C'est un pays. Alors, il faut arrêter maintenant de dire oui, le Bois de Boulogne, le classico. C'est plus un classico. On n'est plus équilibré. Eh, c'est comme du premier étage au 16e étage. Le Qatar est au 16e étage. Regardez la différence qu'il y a. C'est qu'il y a trop d'argent. Voilà, maintenant, on ne peut plus courir. Mais il y a une chose. Je serai toujours Marseillais. Même qu'on a perdu hier, je suis en colère, je critique. Je suis d'accord. Je critique. Ça, c'est ma vie, putain. Moi, je suis Marseillais, comme vous, dans le monde entier. Vous avez le droit de critiquer. Ça, c'est notre mentalité. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de dire oui, qu'on critique tout ça. Et tu sais pourquoi moi j'ai parlé avec ce joueur? Pourquoi on a parlé? Et je le remercie, cette personne-là. Tu vois? Je le remercie très bien, je le respecterai toujours. Pourquoi moi je ne savais pas écrire les commentaires? Et je l'ai appelé. Je n'ai pas honte à le dire. Je ne savais pas écrire. Moi, je suis un idiot à l'école. Et je ne pouvais pas m'exprimer comme si je parlais. Eh bien, il m'a donné raison. Voilà, maintenant, il y a deux personnes qu'on va recevoir. Je vous laisse la parole. Je passe la parole à Momo. Excusez-moi si je suis un peu dynamité, un peu comme ça. C'est ma mentalité. Bonjour à tout le monde dans le chat. Voilà, je fais monter Abou Sissi et Momo, le Fener. Récupère ton souffle, récupère ton souffle, vas-y. Tranquille. Alors attends, avant, on va d'abord dire un grand merci à Mathieu Monaco qui nous a... Merci Mathieu, tu es au top Mathieu, et merci. Merci Mathieu, je suis le petit monstre, avec une petite bosse. Et petit cou, et petit torse avec des longs bras, des jambes courtes et des gros pieds. Allez, merci, l'OM, merci Mathieu. On va saluer Momo Le Fenech et Abou d'être montés. Salut les gars. Salut, bonsoir, salut. Bonsoir. Salut Abou. Comment tu vas Abou? Ça va très bien, merci. Nickel. Alors, on va juste passer le bonjour à tout le chat. Donc là, on a vu, hein, pas mal de monde était d'accord avec ce qu'a dit Tonton. Voilà, il y a Anthony qui nous a rejoint sur YouTube et qui dit « J'espère qu'on n'aura pas Galtier ». Il y a Jean-Christophe aussi qui nous a rejoint sur le chat. Sagesse qui nous dit « Nous les avons trop respectés ». Mathieu Monaco qui nous dit « Une équipe fantôme ». Exactement. Sagesse qui pointe encore le salaire d'Aubameyang, voilà, 700 000 euros par mois. Salut Martin qui nous a rejoint sur YouTube. Salut Patricia aussi qui nous a rejoint sur la chaîne. Salut à toi Patricia. Voilà Martin qui salue tout le monde.
Voilà, Patrick se dit, calme-toi, tonton, tu vas faire une crise cardiaque. Eh ouais. bien parlé, tonton. Voilà, honteux, moi aussi, j'en ai marre. Voilà, Eric Popov qui est d'accord avec toi, tonton. Martin qui comprend ta colère. Salut, Hassan qui nous a rejoint. Voilà, salut à tous, salut à tous. Voilà, merci, Léonard. Voilà, donc Abou, on va commencer avec toi, mon ami, parce que tu es là. Dis-nous un peu, toi, ton ressenti alors sur la rencontre d'hier soir. Oui, merci, merci beaucoup. Merci, tonton, de tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Avec plaisir, Abou, c'est de la famille. On était tous hier soir, honnêtement, après le match. Personne n'a pu, je ne sais pas moi. Honnêtement, je ne sais pas comment je me suis senti hier. Mais je n'ai jamais vu l'Olympique de Marseille se comporter comme ça devant Paris Saint-Germain. Non, c'est ma première fois de voir. Comme si, je ne sais pas, même si on mettait l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille hier, je ne dis pas qu'elles allaient gagner, mais elles n'allaient pas se comporter comme ça. Bravo, c'était, bravo. Pour hier, c'était de la foutaise. Ça, c'est pire foutaise. Honnêtement, les joueurs se sont foutus de nous hier. Ah oui, parce qu'avant le match, on les a posé tous la question, est-ce que et le problème qui se mine actuellement avec Longoria, blablabla, est-ce que ça va infecter votre match, ceci, cela. Ils ont dit non, ils n'ont rien à voir, ça va, on est tranquille, nous, ça ne nous concerne pas, nous, on est là pour jouer le football. Mais vous ne nous avez pas montré ça hier. Vous ne nous avez pas montré ça hier. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et encore, honnêtement, je ne sais pas quel mot vous dire. Parce que quand je vous vois jouer, je regrette pourquoi mon Dimitri Payet est parti. Je regrette pourquoi même Petit Mandanda, s'il était là, il allait avoir de l'influence sur vous, au moins un peu. Mais là, il n'y a personne qui a une influence sur l'autre. Personne. Paul, je suis d'accord Lopez, avec toi, Abou. Paul Lopez, le capitaine, alors c'est le plus nul de capitaine. C'est le plus nul de tous les capitaines de Ligue 1. Et chaque match, c'est le même qui vient devant la caméra pour se mettre en question. Oh oui, écoutez, on a mal fait en commençant par moi. Mais Sampio, ça suffit. On en a marre maintenant. Ça suffit. On ne veut plus de ça. On vous est trop toléré, trop entendu de vos bêtises. Ça va. Ce match contre qui? C'est pas n'importe qui. C'est notre ennemi juré. C'est notre ennemi juré en football, Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas le droit d'aller rigoler avec eux. Mais ce que vous avez fait hier, là, c'était de la rigolade. C'était de n'importe quoi. Les gamins qui sont dans le centre de formation de l'Olympique de Marseille, comment ils vont vous regarder? Qui parmi vous ils vont prendre comme l'exemple demain pour sortir grand joueur? Qui parmi vous il va regarder? Mbemba, je ne te reconnais plus, honnêtement, je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus, Mbemba. Non, je ne te reconnais plus, honnêtement. Les autres, on peut dire, oui, bon, de toutes les façons, ils nous ont habitués à ça. Mais toi, Mbemba, des matchs, tu nous fais des patates. Non, c'est des foutaises. Je m'arrête là, je passe ma balle. Merci, Abou. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout sur le point où quand tu dis sur les jeunes du centre de formation, sur qui c'est qui va les inspirer, qui c'est qui va être leur idole. Quels joueurs ils vont prendre exemple sur, tu vois? Et c'est là où je te rejoins. Il n'y a pas. Les joueurs qui sont au centre de formation, ils ont envie d'être comme qui? Ils ont envie d'être comme un Rongier? Comme un Veretout? Comme un Aubameyang? Non, il n'y a aucun joueur qui pourrait faire rêver ces jeunes-là. Momo, est-ce que tu es là, mon ami Momo? Momo Le Fennec.
Momo le Fennec. Oui, je suis là. Je suis là, ah. Momo. Ouais, je crois que tu étais en train de faire des briques. Je suis là, Momo. Ça va, bon. Ça va, Momo? Ouais, bah écoute, hein, on s'est tous levés avec la gueule de bois, là. Hein. Vraiment, ouais. Dégoûté. Hier, vraiment, on a passé un sale moment. Hein. Sale moment. Devant, franchement, ouais, bon. Putain, le match. Le match, je crois que. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Je pense que les supporters parisiens, eux, dans leur débrief, ils ont dû se régaler. Ils ont vu du beau jeu. Et puis nous, il n'y a rien à dire à part la honte. Voilà, simplement la honte. Voilà, c'est honteux. Alors, moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que là, je pense qu'on arrive au bout du bout. Au bout du bout d'une supercherie, en fait, qui dure depuis un bon moment. Il nous faut peut-être ça, il nous faut peut-être des victoires comme ça aussi ridicules pour enfin se réveiller, ouvrir les yeux et voir qu'est-ce que notre club est devenu. Parce que honnêtement, quand un joueur ou un dirigeant ou un formateur, qui on veut, vient à l'Olympique de Marseille, il ne vient pas prendre à l'Olympique de Marseille, il vient donner. Il vient pas pour prendre un salaire et avoir la belle vie. Tout membre, qu'il soit joueur, qu'il soit qui vous voulez, lorsqu'il vient à l'Olympique de Marseille, il vient pas pour soutirer du club. Il vient pour donner au club et pour amener sa pierre à l'édifice. Et il aura le salaire qu'il mérite. Et s'il donne au club, le public... lui rendront. Voilà, on a connu des Drogba, par exemple, Drogba qui venait de Guingamp, il est passé par Le Mans, il était à Guingamp, il n'était pas encore, il avait pas encore cette carrière qu'on lui connaît après, Chelsea, enfin tous les clubs qu'il a fait, il est passé par Marseille, et Drogba, il a tout donné, et pourtant Drogba, c'était pas encore la grande star, c'était Drogba, la révélation, c'était une révélation en Ligue 1, il commençait à se faire un nom en Ligue 1, il est venu, il a tout donné. Et encore à l'époque, il n'y avait pas les salaires qu'il y a aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ça représentait énormément par rapport à l'époque, mais il n'y avait pas tous les avantages et tous les salaires et tous les contrats publicitaires et tout ça qu'il y a aujourd'hui. Et ces joueurs-là, ils ont mouillé le maillot, ils ont tout donné. Voilà, quand tu viens à l'Olympique de Marseille, tu sais que c'est une institution, tu sais qu'il y a un public exigeant, tu sais qu'il y a une histoire à ne pas entacher. Tu sais qu'il y a une histoire à honorer. Tu sais qu'il y a des joueurs qui ont mouillé le maillot et il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ce club. C'est une honte, ce qu'on a vu hier, c'est une honte, hein, faut dire la vérité. Moi, je ne vais pas m'énerver, hein, simplement, hier, quand je regardais le match, franchement, j'étais stressé. Même à un moment donné, je voulais éteindre, quoi. Carrément, je ne voulais même plus continuer à regarder parce que, franchement, ils m'ont tellement écœuré que je me suis dit, c'est une torture, quoi. C'est une torture de regarder une équipe pareille. Mais comment tu peux avoir deux visages différents? Je veux dire, tu as un visage à l'Ajax où ils nous ont vraiment fait plaisir, ils ont tout donné. Bon, certes, ils ont fait match nul, mais ça va, ils ont eu une bonne prestation. Ils ont tout donné sur le terrain, on s'est dit c'est bon. Les joueurs, ils ont compris qu'ils étaient. Parce qu'en fait, les joueurs, c'est les premiers acteurs. En fait, la finalité de l'Olympique de Marseille, c'est quoi? C'est le jeu, c'est gagner, c'est l'équipe. L'équipe, c'est la vitrine et c'est c'est eux qui doivent un peu faire la pluie et le beau temps. Donc, ils se doivent d'avoir cette mission, hein, d'avoir cette mission de redorer le blason et de sauver le club. Voilà. Et hier, ils ont failli à leur mission. Mais non, encore, s'ils avaient encore essayé, mais non, on n'a pas senti une équipe qui a essayé de faire quelque chose, qui a essayé d'exercer un pressing. Oh, je ne sais pas, essayer quelque chose. Je sais pas moi, essayer de rentrer leur dedans, essayer d'être agressif sur le porteur du ballon, essayer de faire remonter le bloc, provoque des fautes dans les 20 derniers mètres. Au moins tu pourrais espérer un coup de pied. Essaye quelque chose. Non, on les a attendus et voilà, on les a laissés jouer. Voilà, c'était une équipe spectatrice sur le terrain. Non, franchement, c'est inacceptable, inacceptable. Autant on a vu des matchs où vraiment on s'est fait balader. Alors, par exemple,
Attends, Momo, excuse-moi de te couper. On va pas rentrer parce qu'il y a beaucoup de monde. Je veux juste qu'on donne chacun notre avis et après on donnera un peu. J'allais juste terminer par là, Momo. Vas-y, Momo. Vas-y. J'allais terminer en fait. Par exemple, on se rappelle par exemple de match. Par exemple, rappelez-vous le match à l'époque de Garcia quand il venait d'arriver, lorsque McCourt venait de racheter le club, où on est parti faire 0-0 là-bas. On a mis un bloc bas, on a tout verrouillé, mais on a pris un point. On s'est battu quand même. Il y a eu quand même un peu de pressing. Enfin, on a été organisé. Et résultat, bon, on a fait 0-0. Donc, on est reparti quand même avec quelque chose. Mais là… Mais c'était pas son premier match à Garcia, d'ailleurs. C'était le premier match, et d'ailleurs… Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas pris de risque. Il voulait pas prendre de risque. Tu pouvais pas mettre une tactique en jeu. Donc, il fallait verrouiller. Ouais. Il fallait verrouiller. Pourquoi ? Parce que c'était le début de McCourt. Donc, il fallait… Commencer par une bonne note. Et commencer par une bonne note, c'est ne pas prendre de risques, verrouiller et venir au moins avec quelque chose à la maison. Et on est revenu avec quelque chose à la maison. On est revenu avec un point. C'était un point qui était très important pour nous. C'était symbolique. Mais là, je sais pas, enfin bref. Je vais laisser… Je vais donner la parole. Alors, je vais juste passer le bonjour. Il y a Slim qui nous a rejoint. Il y a aussi Bruno et Scred. Salut les gars, comment ça va? Salut la famille. Salut tout le monde. Salut Bruno. Salut tout le monde. On va juste passer un petit bonjour vite fait à Karim aussi qui nous a rejoint, notre ami Karim sur le chat, sur le YouTube. Salut. Karim. Et il y avait aussi Jean-Jacques Ineco qui nous a rejoint, Rap Crypté. Voilà, il y a pas mal de monde qui nous a rejoint sur la room aussi. Voilà, on va donner la parole à Slim, ensuite Bruno et on finira avec Scred. Donc voilà, on fait un petit, vous donnez votre avis sur ce qui s'est passé hier, et ensuite on développera un peu plus profondément. Comme ça, on donne la parole à tout le monde. Donc, ça va être rapide. Ça va être rapide en 4 points. Pas d'envie, pas de courage. Enfin, même pas. Il y a même plusieurs points. Pas d'envie, pas de courage, pas de technique, pas de tactique, pas de niaque, on va dire, pas d'agressivité. Bref, une équipe dont l'incendie est à tous les étages, aussi bien au niveau le plus haut, donc la direction, comme au niveau le plus bas, c'est-à-dire des joueurs gravataires. Voilà. Et une spéciale mention pour Valentin Rongier, qui pour moi a été certainement le joueur le plus pitoyable de la soirée, clairement, une déception absolue, tout comme Mbemba. Déception absolue, tout comme Veretou, mais on n'est pas si étonné que ça. Et enfin, qu'est-ce que je vous dise ? On est tombé face à une équipe qui est plus forte que nous. Voilà, terminé. Ils nous ont montré ce que c'était le niveau de Champions League. Et heureusement pour nous qu'on n'est pas, qu'on ne s'est pas qualifié en Champions League, parce que je ne sais pas trop si on aurait supporté l'humiliation avec ce qui s'est passé. Voilà, je passe le ballon. Merci Slim. À toi Bruno. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va. Bonsoir. Ça va, impeccable. Eh bien, ils se sont moqués de nous, ils ont respecté du tout. Franchement, même un entraîneur à cette équipe, je ne vois pas qu'elle va aller loin. Je suis franchement déçu. Ils se sont vraiment moqués de nous. Je pense que tous les joueurs sont bidons. Voilà. Comme ils se moquent de nous, nous aussi. Droit au but, notre blason, on ne l'a même pas respecté. Ouais. Je suis d'accord. C'est le comique. Je veux rajouter un dernier truc, Bruno. Ils prennent leur salaire, ils jouent comme ça. Mais au moins, je joue mieux que eux. Eh oui. On va demander. Merci, Bruno. On va demander à Scred son avis sur ce qui s'est passé hier. Bah déjà, salut tout le monde. Hein. Salut Scred. Salut. Ça faisait un moment que tu n'avais pas vu. Ouais, il a fallu qu'il y ait cette crise là pour que ça me donne envie de remonter, parce que là, moi j'entends tout et n'importe quoi en fait. Je sais pas à quoi vous vous attendiez, les gars. On a une équipe en face, elle vaut je sais pas combien de milliards. Ils ont recruté déjà ils ont l'attaque de l'équipe de France en face. Déjà rien que ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a Gigot, ouais, il est bien, c'est un Marseillais, tout ça, mais la qualité elle est pas là. C'est tout, il faut s'attendre à plus. On attend juste des joueurs qui se battent. On n'a pas demandé de venir faire un super match, gagner 3-0. On a demandé une réaction. Même si tu perds, tu as le droit de perdre. Il y a des milliards en face, tu as le droit d'aller perdre là-bas. Mais il y a perdre et perdre. Excuse-moi, Ascred. Il y a perdre et perdre. Voilà. Je l'ai dit, ça va. Et tu veux qu'ils fassent quoi en fait? Qu'ils prennent 3 cartons rouges parce qu'ils vont les éclater pour pas qu'ils aillent marquer? On est trop limité, il faut arrêter de rêver. On n'a même pas réussi à battre le Panathinaikos. Oh.
Ouais, donc Nice, ils ne sont pas limités, on est limité. Nice, il est bas 3. Franchement, il y a plus de qualité chez eux que chez nous. Ah bah bien sûr, largement, largement plus que nous. Ah, Scred, il ne faut pas te laisser dire ça. Bah dis-moi, qui c'est de notre équipe qui va prendre une place à Nice là. Qui va prendre une place à Nice. Au moment où ils avaient Messi et ils avaient Lionel Messi, ils avaient l'autre équipe là. Mais au moins, on a pu faire quelque chose avec eux. Mais là, Fred, quand même. Non, mais là, après, la saison, elle est niquée, de toute façon. Quoi qu'il arrive, déjà, on est parti, on a fait un mauvais choix de coach et la préparation, du coup, tout est à refaire. Ils ont un plan de jeu, ils ne savent pas jouer. Et là, pour la saison, on est mal. Non, mais là, ce qu'on leur reproche, en vérité, c'est pas qu'on est perdu. Parce que, comme on l'avait dit, et je suis sûr que vous aussi, vous le saviez au fond de vous, on n'allait pas gagner 2-3-0 là-bas à Paris. T'as le droit d'aller c'est la crise. On a eu un peu d'espoir avec ce match après l'Ajax. Ouais, voilà, on s'est dit peut-être que avec Pancho ça va changer. Mais moi, ce qui m'énerve et ce qui m'a déçu, c'est le comportement des joueurs. Regardez sur la première mi-temps, je crois pendant plus de 20 minutes, on sort pas de notre camp. C'est-à-dire, on n'arrive pas à sortir le ballon de plus de 50 mètres. On perdait tous les ballons. On n'arrivait pas à faire plus de 2 passes. Onaï n'arrivait pas à garder le ballon. C'était soit il tombait, soit il manquait son dribble, soit il manquait sa passe. Rongier, c'était pareil. Verretou, c'était pareil. Il y a un problème d'attitude, en fait. Tu vois ce que je veux te dire ? Moi, je pense même pas que ce soit l'attitude. Onaï, peut-être, lui, il aurait été capable techniquement de pouvoir ressortir un ballon s'il avait des gars autour de lui qui sont intelligents, qui font des bons mouvements. Là, on a des joueurs trop limités, en fait. Mais non, c'est l'attitude. C'est pas le niveau des joueurs. Excuse-moi, Momo. C'est pas le niveau des joueurs, pour moi, en tout cas. Hein. Pour moi, il y a tout qui a été manqué sur ce match-là. Moi, comme je l'avais dit sur la veille de match, quand moi j'avais proposé le 4-3-3, tout le chat avait dit on va jouer en 3-5-2 parce que je crois l'équipe ils avaient dit la compo probable, tu vois. Et moi j'ai fait la réflexion, j'ai dit on a eu un semblant de jeu face à l'Ajax. Tu n'as pas beaucoup de temps pour préparer un autre dispositif. Tu n'as pas le temps, c'était trop risqué. Donc pourquoi ne pas continuer sur ce même système? Et moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré la connexion Ndiaye, Harit et Unai face à l'Ajax. Quand ils ont essayé de combiner à une touche de balle, des jeux en triangle pour ressortir la balle, pour eux, on a vu un peu plus de jeu dans le cœur du jeu. Là, on n'a rien vu hier. Il y avait zéro jeu. On galérait à sortir les ballons. Et on a vu une différence de niveau qui est énorme sur ce match-là. Et je pense que on le perçoit comme ça, pardon, parce qu'il n'y avait pas d'envie. Ils n'avaient pas envie de jouer. Et moi, je vais vous dire, même Mbappé, il n'avait pas envie de jouer. Je crois qu'il a senti que ça allait être un match éclaté. Et en parlant du match, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était un match nul à chier. C'est-à-dire, OK, ils ont gagné. En fait, ils ont gardé le ballon. Voilà, ils ont joué. Ils ont pressé. Les seuls moments où ils ont accéléré, c'est les moments où ils ont marqué. Ou failli marquer. Là, c'est la première année depuis très longtemps qu'ils ont réussi à se construire une vraie équipe. Voilà. Et ils ont vraiment, ils ont pas. Moi, je trouve, je sais pas vous, hein, mais moi, je trouve qu'ils ont pas trop forcé. Hein. Non, quand tu regardes le match, tu regardes mes commentaires, c'était Marquinhos, Skriniar dans le rang central, Hernandez, ça revenait sur Skriniar. Ils prenaient leur temps. Et après, ils essayaient à chaque fois de trouver leurs ailiers, que ce soit Barcola ou Dembélé. Et à chaque fois, ils faisaient le même schéma et on n'était pas capable d'essayer de s'adapter pour essayer de bloquer. Ces schémas-là. Donc, voilà. Donc, là, on a fait le tour de ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc dessus ? Bah, y a rien à dire de plus. Tout ce que je peux te dire, c'est que le niveau de jeu était pitoyable avec des joueurs qui n'avaient pas envie, tout simplement. Et honnêtement, Momo, je ne suis peut-être pas d'accord avec toi. Il y a un problème de niveau réel. On vient de constater que le plafond de verre de chacun des joueurs, tous autant qu'ils sont. On vient de comprendre que ces joueurs-là ne feront jamais que dire figure en Champions League. Au mieux, je veux dire, ce sera peut-être l'Europa League, voire même la Conference League. On a une équipe niveau Conference League, clairement, avec les talents qu'on peut avoir, qui peuvent faire la différence, mais sinon la plupart d'entre eux, ils n'ont pas le niveau. On va jouer le milieu de tableau, clairement. Je préfère à la limite qu'on joue au milieu de tableau, mais qu'on reconstruise une équipe complète et qu'on travaille dans le fond le jeu, que de plutôt que dire se casser la figure, parce que très clairement, ça va être ça. Je ne sais pas comment ça va se jouer contre Brighton, je ne sais pas comment on va jouer contre Monaco, clairement,
et je sais même pas comment ça se passait même contre le Havre, pour te dire. Mais à moins d'avoir, on va dire, un chaman, pour pas dire un entraîneur, on va dire, de qualité, un sorcier limite, je vois pas comment on peut faire, honnêtement. Alors, là, moi, moi, je sais pas si je suis naïf, hein, mais le niveau, je pense pas que ce soit un problème de niveau actuel de l'équipe, parce que l'année dernière, quand ton milieu de terrain, c'est rangé vert et tout, tu arrives à faire 10 matchs sans défaite. C'est limite 10 victoires. Oui, et tu sais pourquoi ? Ils ont cette qualité-là. Aminarit, il a prouvé l'année dernière. Tu as des joueurs. Mbemba, l'année dernière, c'était un monstre. Gigot, l'année dernière. Donc, moi, je pense que c'est plus un problème. Je pense que c'est plus un problème mental qui affecte les joueurs par rapport à la situation actuelle du club que un problème de niveau. Parce que peut-être que le coach, c'est pas un coach qui les a emballés, peut-être par le nom. Après, peut-être qu'il ne les a pas emballés non plus par la préparation ou par le système de jeu voulu. Ensuite, il y a la crise au club. Donc, mentalement, c'est dur de penser football. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Il y a une raison toute bête. Après, je vais passer le ballon. C'est parce que tout simplement, l'année dernière, tu avais quand même trois joueurs qui pressaient à l'avant. Quand tu sais qu'il y a un Guendouzi en faux 10, même si ce n'est pas son poste, il pressait à l'avant. Alexis Sanchez t'emmenait vers l'avant, vers le haut, les joueurs. C'est ça le truc. Et après, tu avais à la limite Harit, avant qu'il se blesse, qui aussi menait le jeu vers l'avant. Donc, en fait, tu avais en fait Rongier et Veretou qui plus ou moins étaient soulagés, sachant qu'à un moment donné, tu avais à l'époque Tavares et Klos qui marchaient par intermittence, mais qui marchaient bien. Là, pour le coup, non seulement à l'avant, on ne presse pas, mais c'est pas normal parce que c'est pas le même type de jeu. Mais en plus de ça, tes latéraux n'ont pas fait leur boulot parce qu'il y en a un qui est cramé côté gauche et côté droit, je sais même pas ce qu'il avait. Il avait un problème. Le mec, je comprends pas. Il était complètement perdu. Voilà. Alors ça, plus le fait que tu as un niveau, pour dire, plus que décevant, voire même pitoyable, des deux milieux qui n'ont pas fait la différence, qui n'ont même pas été capables de combler, on va dire, les brèches. À un moment donné, tu te poses des questions. C'est normal que la défense se retrouve à subir des vagues parce que le milieu n'a même pas été foutu de les combler. Donc voilà. Et l'attaque n'a pas été capable aussi de défendre comme il faut. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions. Pour moi, il y a un problème de niveau, en tout cas pour certains joueurs qui, à mon sens, n'ont rien à faire à l'OL. Tu as tout à fait raison, pour moi. Ouais, non, mais juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je vais être bref. Moi, je l'avais dit avant le match. Rappelez-vous de mon prono, et encore, j'ai voulu être gentil. Hein. J'avais dit oui, score serré, on va se battre et tout. Même en se battant, moi, je voyais une défaite. Voilà, j'avais prévu une défaite. C'était clair et net. Donc, je ne m'attendais pas à une victoire. Hein. Je ne m'attendais pas à quelque chose de ouf. Vu le contexte et vu le moral des joueurs, le mental des joueurs, vu toute la conjoncture actuelle du club, je ne m'attendais pas à plus. Mais je m'attendais au moins à des joueurs qui se battent. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, tu as le droit. C'est pas bon, tu perds à Paris. Je veux dire, c'est pas une honte d'aller perdre à Paris aujourd'hui, mais perdre de cette manière-là, être aussi attentiste, ben c'est ça. Voilà, on pointe du doigt l'attentisme des joueurs et le manque d'implication des joueurs. Après, le niveau slim, c'est vrai que le niveau d'un joueur il peut être relatif et peut être par rapport à la dynamique de l'équipe autour de lui parce que. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, quand tu as des joueurs qui t'aident à être meilleur, il y a des joueurs qui aident d'autres joueurs à être meilleurs. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe et la cohésion d'équipe. Voilà. Et ça devient presque, on va dire, contagieux dans une équipe. Quand on a, par exemple, un Sanchez qui est capable de garder le ballon, qui s'arrache et qui est un chien devant et qui montre la voie et qui montre la voie à ses coéquipiers, bah, on n'a pas le même visage l'an dernier. Là, je peux être d'accord avec toi sur ça, Slim, tu vois. Après, il y a des joueurs au milieu de terrain, c'est les mêmes que l'an dernier. Donc, je pense qu'ils ont un certain niveau quand même, parce que bon, Veretout, bon, c'est pas le meilleur joueur du monde, certes, parce que comme un joueur qui a de la qualité, Rongier, depuis qu'il est arrivé à Marseille, bon, on a vu quand même la progression de ce joueur. Mais là, je veux dire, peut-être qu'ils ne sont pas dans leur élément. Je pense qu'il y a une erreur de casting. Je pense qu'on a fait venir des joueurs qui n'ont pas cette mentalité. Et on a pas l'entraîneur aussi qui peut nous amener ce supplément d'âme que Tudor. Parce que Tudor, on l'a critiqué. On a beau, je vais terminer. Hein. Tudor, on l'a critiqué sur beaucoup de choses. Mais Tudor, en tout cas,
il te ramenait ce supplément d'âme. Il avait déjà de, physiquement, il en imposait. Dans le caractère, il en imposait. C'était militaire, quoi. C'était, allez, on court, la rigueur, celui qui n'est pas content, il va sur le banc, tout ça. Et ça marchait au pas. Voilà. Et cette année, ben, tous ces ingrédients-là, on ne les retrouve pas. Et c'est pour ça qu'on trouve certains joueurs méconnaissables. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas une question de niveau. C'est une question de cohésion et une question de l'atmosphère que règne dans l'équipe. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas un leader qui va. Il n'y a pas un Sanchez. Il nous manque un Sanchez cette année. Par exemple, hein, ça, c'est un exemple. Hein. Pas que. Hein, t'enlèves Under, Gerson, des joueurs Under, comme ça. Ça te gardait le ballon. Hein, ça gardait le ballon. Voilà, ça gardait le ballon, tout ça. Et comme les amis. Comme ça, ta défense, elle remonte et tout. Là, on était acculé tout le long du match. C'est ça. Les amis, excusez-moi de vous couper. Il y a Kamel qui nous a rejoint. Bonsoir, Kamel. Bonsoir, Kamel. Bonsoir, tout le monde. Comment tu vas, Kamel? La première fois qu'il monte, alors on est là sans parler, s'il vous plaît. Bah, on est un peu dégoûté. Franchement, le match d'hier, il m'a coupé, m'a niqué ma semaine, on va dire. Ah, franchement, en plus, avec ces Parisiens, j'ai des beaux-frères, ils sont Parisiens, donc un peu misère, quoi. Eh ouais. Et donc, toi, tu penses quoi, alors, du match d'hier, de la prestation de l'équipe? Déjà, la connerie qu'on a, que, on va dire. Parce qu'ici, il n'y a pas que Pancho qui a fait la connerie là. Parce que ça a travaillé avec Rio au-dessus. Ils ont dit, bon, on va limiter les dégâts, on va jouer défense. On va essayer de ne pas prendre de but. Mais quand tu laisses venir l'adversaire comme ça, et en plus techniquement, ils sont bons, c'était sûr qu'on allait se prendre une valise. Mais si on ne met pas nos joueurs à disposition de... C'est-à-dire que... Moi, j'aurais mis Harit déjà dès le début du match avec Unai, tous les deux. Techniquement, ça va de l'avant. Vitinha, je ne l'aurais pas mis dès le début. J'aurais laissé N'Jai avec Aubameyang. Et je pense que la compo qu'on a eue contre l'Ajax nous aurait fait plus de bien que celle qu'on a eue, qu'ils nous ont mis avec Paris. Ouais. Hein. Paris, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi. On aurait plus la maîtrise technique au milieu de terrain avec Unai, N'Diaye, Harit. Et tu aurais plus, ça aurait été plus facile de ressortir les ballons avec des joueurs comme ça qu'avec Rongier, Verretou. Des fois, Unai, il a fait une passe. Direct. Il donne à Rongier une passe. T'as Rongier, il ne sait même pas contrôler la balle par à droite, à gauche. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu veux jouer à une touche de balle? Le gars, il ne sait même pas contrôler un ballon. Unai, il était genre un peu esselé hier. Il était un peu sur le terrain. Et après, t'as des Marseillais, parce que je vais dans des autres lives, je les écoute, tellement que j'avais les nerfs. Ben non, Unai, c'est une allumette. Mais t'es déjà des joueurs qui sont à tes côtés, ils savent même pas jouer à une touche de balle. Parce que quand tu vois Unai, ce qu'il fait avec l'équipe nationale du Maroc, t'hallucines. Ils jouent tous à une touche de balle. Ici, ils sont obligés de contrôler ou de lever la tête et donner le ballon. Il faut arrêter. Les gens, ils ne savent même pas jouer. Ah, mais nous, le problème, c'est que dans le championnat de France, tu as un joueur comme Unai. Au lieu d'utiliser comme le Maroc par exemple, en 8, nous, on va se dire, ouais, il est un peu technique, on va le mettre 10 ou voire attaquant hein, sur le côté gauche. C'est bidon en France, on ne sait pas mettre en place les joueurs à leur poste. Tout simplement. Là, on aurait joué avec trois attaquants. Tu aurais mis Vitinha tout seul en pointe comme un chien, avec deux gars sur les côtés et Unai derrière pour lui donner des ballons. Ça aurait été quelque chose. Mais là, il n'avait rien. Il était tout seul. Il fallait qu'il parte avec le ballon et qu'il dribble trois Parisiens. C'est pas possible. Mais pourquoi ils n'ont pas joué en 3-5-2, on va dire. Ils auraient dû jouer en 3-5-2 ou bien en 4-1-4-2. Mentalité 4-1, française. 4-1. Mentalité française. Tu vas à Paris, tu te mets à 5 ou 6 ou même 10 derrière s'il faut, tu vois. Regardez, vous avez dit, il faut pas, on devrait pas avoir honte de perdre à Paris. Mais quand tu vois que Nice, t'as vu comment ils ont joué Nice contre Paris, t'as vu comment ils ont bouffé Paris. Faut arrêter. Si tu veux mettre une grosse équipe comme ça, faut pas lui laisser le ballon. Bah oui, après, il faut les presser. Quand on a eu Tudor et le rasé là. Et ben, on les pressait. Ils touchaient pas une quille. On les dominait. Cette année, non, on voulait jouer défense. Et ben, on s'est pris une carotte. C'est ça. Ouais. Mais de toute façon, on était tous contre le jeu de Marcelino, hein, où on attendait, on voyait une équipe qui ne faisait pas le pressing. C'est mauvais, ça. On s'est dit que voilà, si tu attends et que tu joues face à des équipes qui jouent au ballon, ben, tu ne vas pas pouvoir supporter la pression comme ça pendant longtemps et tu vas te prendre des valises.
Parce que s'ils vont passer une fois, ils vont comprendre comment tu marches. Ils vont passer deux fois, trois fois et quatre fois. C'est tout. Surtout qu'il n'y a personne pour descendre au milieu de terrain. Parce que je vais descendre après. Deux mots, excuse-moi, Slim. En fait, le problème, c'est que moi, tu vois, j'ai capté un petit peu la tactique, en tout cas, qu'aurait voulu à Bardonado. Pour moi, à tort, hein, parce qu'il n'aurait pas dû, viser cette tactique-là. C'est que lui, il voulait les attendre et il voulait, en fait, se projeter en transition. Mais le problème, c'est qu'on a manqué de justesse technique. On n'avait pas des joueurs techniques. On faisait une passe, deux passes, on se faisait récupérer le ballon. Voilà, on aurait en fait, il voulait jouer avec la transition, mais il n'y avait personne pour faire la transition. Exactement. Et on n'avait pas les joueurs pour. C'était trop faible techniquement. La transition, tu la travailles. La transition, je suis désolé. La transition, tu la travailles quand ? Tu les travailles pendant la période de préparation. Eh oui. C'est pas maintenant que tu vas la faire. C'est pas face à Paris que tu vas travailler ta transition. À la base, les gars, c'était normalement le travail qui devait être fait, c'est-à-dire pendant la préparation de Marcelino. Ce que je veux dire par là, c'est que la transition rapide, c'était normalement le but du jeu du 4-4-2 à plat. Sauf que on voit bien que ça n'a pas été travaillé correctement. La préparation physique était lamentable. Je le dis, je le répète, hein, la préparation physique était lamentable. On a vu des joueurs complètement essoufflés. Ils n'en pouvaient plus. Ça se voit d'ailleurs, c'est très simple. Vous voyez les retours Rongier, ils étaient à l'ouest. Mbemba, tu le vois, il est pas en forme du tout. Lodi, il est l'ombre de lui-même par rapport à l'Atlético. Il est un peu blessé apparemment. Voilà. Il a une douleur à la cuisse, il joue quand même. Exactement. Donc tu te rends compte en fait que dans tout ça, pour moi, le mercato, déjà, il faut revenir au précédent, mais déjà le mercato ne t'a pas permis de prendre des joueurs, on va dire, avec leur doublette, clairement. Voilà, là, on voit bien qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et l'autre souci, c'est que l'entraîneur, je suis désolé, il s'est planté sur toute la ligne sur la préparation physique. D'ailleurs, c'est simple. Tu vois les matchs, comme ça a été dur de les gagner, face à Reims, face à Brest. On fait match nul face à Nantes et Metz en étant en supériorité numérique, clairement. On fait un non-match contre Toulouse, tellement que c'était minable. Et là, par contre, On a eu beaucoup de chance contre ces petits clubs là. Oui, mais très limite. Hein. Mais c'est pour ça que la question que je me pose, tout simplement, c'est est-ce que tout simplement on n'a pas fait une erreur de casting aussi pour certains joueurs qu'on aurait dû vendre très rapidement et de garder certains joueurs qu'on aurait dû garder. Moi, Guendouzi, par exemple, je le préfère mille fois qu'on dirait Rongier. Dans un système en 4-3-3. Je les oppose même pas parce qu'ils étaient capables de jouer ensemble en passé. C'est ça le truc. On s'est dépouillé en fait. On a pris Aubameyang, c'est un mercenaire. C'est un mec ici, il s'en bat les couilles du championnat de France, de l'OM, de tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, ce mec-là. Il ne correspond pas du tout à l'OM. Après, il prend 700 000. Putain, 700 000 par mois. Alors qu'on a des joueurs. On a pris c'est 700 000 par mois. C'est 700 000 par mois. C'est pas 700 000 l'année. Hein. Ouais, 700 000 par mois, oui. Après la prime de la signature, il doit être lissé dans les deux ans. Et puis voilà, terminé. Là, c'est tout un vice, encore une fois. On s'est planté sur certains joueurs. Bon, c'est simple. Il y a un milieu de terrain qui était disponible pendant l'année, l'été. Et il était libre de tout recrutement. Personne n'a visé à le prendre, je ne sais pas pourquoi. Daiki Kamada, qui était à Francfort, qui est parti à Lazio. Ils ont un bon recrutement. Ils ont fait un bon recrutement. Bon, en ce moment, c'est pas trop ça pour le moment, mais ça va venir. Et dès qu'ils auront ils seront imprégnés de la tactique de Sarri, ça va marcher. Un joueur comme celui-ci en milieu de terrain, mais il te débloque des situations pas possibles. Il t'amène du jeu. Et en plus, c'est quelqu'un d'assez carré. Tu aurais eu un joueur comme ça, un peu comme dans le Six Lacay, en défense, c'est parfait. T'as ton recrutement qui est fait. C'est clairement. Pour moi, il y a tout ce qu'il fallait. Il y a simplement qu'à prendre ce milieu de terrain pour déjà faire le relais, parce que c'est ce qui nous manque. Et Mounahi, tu le fais rentrer en rotation avec Kamada. Voilà. Mais bon, voilà, mais même Unai, on peut le faire rentrer, mais physiquement, il est limite. Ça se voit. Ce que je comprends pas, c'est que dans cette équipe, on n'a pas un défenseur, un patron. On n'a pas. Non. Ça fait des années qu'il manque ce joueur-là, un vrai patron en défense. Mais on n'a pas de patron tout court. Dans l'équipe, on n'a plus de patron. Regarde bien, je ne vois pas un seul patron dans l'équipe. Mais déjà, on en a eu un quand ?
L'année dernière, quand même, tu avais plus ou moins un leader technique qui était Sanchez. Tu avais au moins un patron, quoi dire, plus ou moins dans les vestiaires, c'est Payet, quoi qu'on en dise. Il était là aussi pour être présent, mais il n'était pas sur le terrain, malheureusement. Et à la limite, de temps à autre, tu avais plus ou moins, on va dire, la grinta de. Comment il s'appelle ? De Guendouzi. Et avec ça, voilà. Il y a même une époque où c'est que derrière, bon, il était techniquement il était zéro, mais Alvaro, tu vois, ça apportait une niaque derrière. Même pas, non, il était pas mal. C'est mieux que ce qu'on a là. Franchement, à côté de Bemba, il aurait pas été dégueulasse, tu vois. Ben voilà. De toute façon, c'est marrant. Hein. Là, je vous dis clairement, on va perdre au moins 3 mois. Moi, je vous le dis d'emblée, 3 mois, ça va être le trou d'air. On va gagner des matchs, on va perdre des matchs, mais je vous le dis clairement, Europa League, c'est simple. Moi, je vous le dis, pour moi, on va être troisième, on va être en Conference League. Non, même pas. Mais non, même pas. La Hec, ils sont partis gagner à Brighton. Hein. Justement. Oh, après, si on fait les bons choix, on a quand même de quoi faire une saison pas trop mal, mais il faut faire les bons choix, il faut arrêter de faire jouer les mercenaires. Il y a ça aussi. Roger capitaine, il faut enlever le brassard du capitaine. Il ne faut pas mettre 3 milieux de terrain qui sont plutôt défensifs. Il faut arrêter avec ça aussi. Il faut mettre des vrais joueurs de ballon. On en a quelques-uns. On n'est pas non plus les plus malheureux dans le championnat. Quoi. Et je ne comprends pas que Kondogbia est encore blessé là. On a acheté un Diaby numéro 2 là. Oui. Ah bah ça. Après Kondogbia, c'était le choix de Marcelino. Hein. À part Valence où il était régulier, il n'y a que là. Hein. Ouais. C'est simple. Hein. De toute façon, Kondogbia, moi, je le laisserai à peu près 3 semaines tranquille. Je l'embêterai pas 3 semaines, le temps qu'il récupère. C'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute. Mais vu ce qu'on nous a annoncé de lui, c'est pas du tout Kondogbia. Hein. Ils en attendent beaucoup trop. Clairement. Pour moi, il y a 3 joueurs qu'il faut mettre de côté. Excusez-moi, je dois descendre là. Je vais saluer Tonton, Momo. Merci Momo, à plus. Ouais, à plus. Merci beaucoup. Merci à toi Momo. Merci à bientôt. Ciao Momo. Ciao. De toute façon, c'est très simple. Moi, je vais vous donner un conseil par rapport à tout ça. J'ai pris vraiment du recul parce qu'aujourd'hui, je me suis fait tacler par tous les collègues parisiens au bureau. Je me suis fait tacler, j'ai reçu des messages, laisse tomber, des trucs invraisemblables. Moi, m'envoyer la vidéo où tu as Colomwani, Dembélé et l'autre crétin de Kurzawa pour nous dire Marseillais, voilà, vous voyez un peu la suite. Bon, là, de toute façon, il va y avoir des sanctions, quoi dire. C'est abruti, de toute façon. Oui, clairement, mais c'est pas le souci, ça, je m'en fous un peu, en vérité. Mais bon, bref, mais en prenant du recul, je m'aperçois qu'en fait, tu as 3-4 joueurs que tu dois mettre sur le banc, soit pour les faire reposer, parce qu'ils en ont réellement besoin, soit pour leur donner du plomb dans la cervelle, parce qu'ils en ont aussi vraiment besoin. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont besoin de... Moi, je ne sais pas, une petite mise au vert, bouger, je ne sais pas où, là, ça peut leur changer. Il y a Karim qui dit qu'il faut repartir à zéro, augmenter l'intensité des entraînements pour rattraper la non-préparation, et un nouveau coach qui va redistribuer les cartes, dont celle du brassard. C'est ça, recréer un vrai groupe, même s'il faut en écarter un ou deux, tu vois, que ça puisse redonner. Mais ça va être ça. Après, le problème, c'est que encore une fois, on s'aperçoit des limites du mercato de Longoria. Il nous a fait rêver pendant l'été. Mais là, par contre, on s'aperçoit des limites, clairement. On voit que joueurs ne sont pas prêts. Il a passé un mauvais été, Longoria. Il n'était pas du tout pour prendre Marcelino. Il n'a pas eu des moyens exceptionnels non plus pour recruter. Il y en a qui ne voulaient pas rester, qu'on nous a fait croire qu'ils voulaient rester. Sanchez, il ne voulait pas rester. Tu vois, il y a eu des erreurs aussi. Il en a fait, bien sûr. Quitte à prendre un coach, s'il n'a pas réussi à voir ce qu'il voulait, il ne fallait pas prendre un Espagnol, il fallait prendre quelqu'un qui connaît le championnat, qui s'adapte plus facilement aussi, tu vois. Mais bien sûr, mais attends, alors là, pour le coup, il y a 2 choses qui m'étonnent beaucoup. Petit 1, Marcelino, c'est quand même le choix de Longoria, réellement, parce que lui, il le voulait, c'est Rivalta qui voulait quelqu'un d'autre, qui voulait, je crois, Fabio Grosso. Bah, s'il a fait ça, c'est une grosse connerie. Hein. Bah, de toute façon, les deux, c'était une connerie, parce que Fabio Grosso, moi, je ne le prendrais pas. Même si à la limite, il peut bétonner la défense. Par contre, le jeu, on va dire, offensif, c'est un peu chaud. Après, ça, c'était la presse. Voilà. Non, bien sûr. Et après, tu as, comment ça s'appelle, Alexis Sanchez. Oui, lui voulait rester. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que l'offre a tardé. Ils ont dit oui, ils ont dit non, ils ont dit on ne sait pas. Sanchez a été gourmand.
Son agent a été gourmand aussi, clairement. Donc, à un moment donné, Longoria ne s'est pas cassé la tête. Il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je ne casse pas la tête, je prends un autre joueur et je fais courir Sanchez. Voilà. Moi, je alors pense que lui, de son côté, il a dit, il y a des choses qui ne sont pas faites. Correctement. Je pense que Longoria, il aurait aimé garder Sanchez, mais qu'on ne lui a pas laissé les moyens, que le salaire qu'il demandait était plus élevé que la saison passée. Et c'est tout, c'est des refus plus haut que Longoria. Mais je suis désolé, mais tu prends Sanchez, on va dire à 650 000, presque 700 000, et à la place, tu prends Aubameyang à 700 000. Je crois qu'il y a un problème là. Ouais, mais c'est un arrangement, mais ça, c'est ma courte. S'il n'y a pas d'argent, là, il a trouvé un arrangement avec l'autre, comme il fait tous les ans, une année moins cher, et l'année d'après, on t'augmente ton salaire, et l'année prochaine, il ne sera plus là. Ce sera pareil, Aubameyang. C'est quoi Aubameyang, c'est quoi? C'est 3 ans ou 2 ans? Ils disent 2 ans, mais on connaît l'histoire. Ils l'ont fait venir 1 an à prix réduit. Et là, soi-disant, s'il reste une année de plus, mais ils vont s'en débarrasser, comme ils ont fait avec Sanchez. On n'a pas les moyens, on n'a rien. Bah, écoute, de toute façon, clairement, si tu veux construire une équipe, on va dire, avec des joueurs de talent ou avec des valeurs sûres, tu es obligé de mettre des moyens. Alors, évidemment. Eh oui. Voilà, évidemment, on est d'accord. Garder tes joueurs quand on a des bons, savoir les garder. Là, amis, petite précision, il y a Serge Bian sur YouTube qui nous dit Sanchez gagne que 300 000 à l'Inter. Ah, mais Serge, le truc, c'est que… À l'Inter. À l'Inter, les impôts, c'est pas pareil. Eux, je crois que c'est presque net, alors que si tu rajoutes les charges sociales, tout ça, tu arrives presque à 500 000 en France, je crois. Et à peu près. Pour un joueur comme lui, Inter, c'est pas OM, quoi. Il va faire plus de sacrifices pour aller jouer la Ligue des Champions ou le titre en Italie que venir à l'OM. Il sait qu'ici, il va jouer contre le PSG, il va se faire éclater, qu'il n'a aucune chance d'être champion, d'avoir un titre. Pratiquement. Non, mais c'est parce que justement, on n'a pas été capable de proposer, on va dire, un effectif qui soit dire, compétitif, tout simplement. On a pris des joueurs en devenir, pour certains, c'est vrai. Et d'autres, par contre, c'est peut-être des valeurs sûres, sauf que ce sont des valeurs d'antan. Là, aujourd'hui, je te dis franchement, je regarde un petit peu, je vais faire simple, je suis en train de revoir toutes les lignes une par une, d'accord? Tu prends les gardiens, tu as Lopez, Blanco et Simon. Simon, on a décidé de le mettre sur le carreau, à la réserve. C'est sa dernière année de contrat, l'année prochaine, il part libre. Donc, bravo pour faire monter les compétences de nos jeunes issus du centre de formation. Voilà. Ensuite, à la défense. La défense, tu as 7 joueurs défensifs. Tu as Soglo, point d'interrogation, je ne suis pas sûr, mais bon, pourquoi pas. Tu as Lodi, qui est blessé. Tu as Gigot, qui fait de son mieux, mais qui est un peu fragile. Tu as Belhardi, qui fait de son mieux aussi, mais qui est maladroit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a cette balourdi, pour ne pas dire autre chose. Tu as Chancel, qui maintenant, lui, a un problème psychologique aggravé. Tu as Klaus, qui, lui, de son côté, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je ne sais pas. Donc, lui aussi, il n'a pas l'air d'être tranquille. Ensuite, tu as Muriel, c'est ça? Murios. Murillo, je sais pas quoi de Bruges. Murillo, voilà. On l'a pas entendu jouer, on sait même pas quoi il sert. Et en fait, Amaïté, qui a été échangé à la place d'Isaac Touré. Et là aussi, j'ai pas compris. Par contre, lui, moi, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Il a un bon niveau, ce petit jeune. Alors, et ben voilà. À la limite, ta défense type sera ta défense centrale type sera Gigot, Maïté, pour commencer. Exit les autres. Pour le moment, et après au niveau des latéraux, moi je vais mettre Klaus sur le banc pour le faire souffler un peu, pour qu'il reprenne un peu ses esprits, et je vais mettre Murios, et je mets Soglo, puisque Lodi, de toute façon, il est complètement HS, voilà. Et Balerdi, puisque t'as pas de milieu, t'as pas de véritable libéraux, puisque Rongier, je le mettrai sur le banc sans chercher à comprendre, Veretout, il sert à rien aussi dans ce poste, je mettrai Balerdi en 6, voilà, contre Monaco, au moins un peu plus d'agressivité vers l'avant, tant pis. Quitte à tenter un truc tordu, au moins le tenter avec de l'envie. Voilà. Et après, voilà, il te reste le milieu de terrain, qui est très simple. Tu as Muguet. Bon, tu le mets déjà sur le côté, tant pis, hein, tu t'en fous. Balerdi, je le mets en 6. Je mets, comment il s'appelle, Unai, mais il va falloir un peu le réveiller et lui donner des claques parce qu'il faut qu'il fasse un peu plus attention. Il faut qu'il se muscle un peu, clairement. Donnez-lui des protéines, le mec, hein, s'il le faut. Tu mettras aussi Harit, pourquoi pas, ou peut-être Veretout, à la limite tu mets Veretout, allez, tant qu'à faire tu le mets en 8, voilà, ça c'est ton milieu, et après ton attaque ça sera Harit, ça sera Ndiaye, et en pointe tu mettras, allez, Aubameyang, tu le laisses de côté aussi, faut qu'il se repose un peu parce que c'est du grand n'importe quoi, Vitinha je le fais rentrer en rotation, et je mets Correa en pointe pour commencer, quitte à le faire jouer dans un poste, le moins risqué, et même s'il donne pas de passe, au moins il reçoit les ballons, il tente, ça sera pour moi Correa en pointe, terminé. Voilà. Balerdi, je ne descendrai pas autant, tu vois.
Moi, franchement, c'est un mec, je sais qu'il fait quand il fait une couille, il fait pas semblant. Mais sur le terrain, il m'a jamais trop déçu au niveau de l'engagement, de tout ça. Je préfère lui, tu vois, qui va jouer derrière et plutôt mettre Maïté en 6, tu vois. Maïté, il a déjà joué à ce poste-là avant ? Il est formé milieu de terrain, normalement, c'est un 6, Maïté. Mais il a percé en Ligue 1, en défense centrale. Eh ben, c'est un truc de fou quand même. On a que des milieux des 6 et on les fait tous en défense. Il faut faire revenir Sampaoli, hein. Il voulait que des milieux de terrain, lui. C'est un truc de dingue. Non, mais voilà, mais pour vous dire, voilà, mais à la limite, tu vois qu'il y a des joueurs. À l'Ajax, c'était simple. À l'Ajax, tu avais des joueurs qui étaient vraiment à la ramasse en défense. Ouais, ils sont pas bons. Tu vois qu'ils sont pas en forme. À part le Ato, là, celui qui a 17 ans, qui était bon, c'est tout. Hein. Ah. Et donc, il n'y a pas de solution autre que celui-ci, c'est-à-dire tu fais sortir certains joueurs, tant pis, tu ne les fais pas rentrer au match contre le PSG, tu choisis tes matchs, tant pis, on se prend une tollée contre le PSG, bon, au moins on tente pour une impasse sur ce match, mais au moins on réussit les autres. Et par contre, voilà, tu évites d'être humilié avec une équipe type, parce que c'était l'équipe type qui nous a ridiculisés. J'aurais préféré me faire ridiculiser avec une équipe deuxième ou troisième catégorie, au moins... On aura dit, voilà, on vous donne le match parce qu'on n'en a rien à foutre, mais on vise les autres matchs parce qu'on sait qu'on peut les gagner. Parce que là, on ne peut pas faire autrement. Ce qui est triste, c'est que j'en suis à me dire, putain, vivement que Pape Gueye y revienne, quoi. Bah oui. Oui. Parce que lui, au milieu de terrain, pour moi, il est au-dessus de Veretout et ce qu'on peut voir, hein, même de Kongogba. Je préfère Pape Gueye. Et je préférais Gerson. Largement. Bah, Gerson, même latéral gauche, il faisait le boulot. Hein. Eh ben, tu remercies Tudor pour ses bêtises et son entraînement qui ne correspondait pas à des joueurs créatifs. Tudor, en fait, moi j'ai adoré, j'aimais bien son plan de jeu. Mais en fait, ses choix, c'est comme il est avec ses hommes, par contre, ça n'a pas été correct du tout. Ouais. Là, je suis d'accord pour ça. S'il aurait pu incorporer ces joueurs-là, Gerson, Guendouzi à son jeu, il s'en serait sorti plus fort. Oui, mais c'est pragmatique et qu'il veut rien savoir. Il y a une breaking news, il y a Ted qui dit « Bonsoir, vous êtes au courant que certains Marseillais sont allés en boîte de nuit avec des Parisiens après le match ?» Est-ce qu'il y a des preuves, Ted ? C'est ça. Parce que ça peut être des rumeurs du Bois de Boulogne pour nous enfoncer aussi, tu vois. Ça m'étonnerait. C'est bizarre. Ça serait une erreur grave, hein, s'il serait vraiment stupide. Non, c'est pas possible. S'ils font ça, ça serait vraiment… Non, incroyable. Pas possible. Ils sont retournés à 2h du matin. Non, ils sont retournés à 1h du matin à Marseille. Longoria était avec eux dans l'avion. Donc, non, ça m'étonnerait. Là, c'est. Et les gars, moi, ça me surprendrait même pas en vrai. Mais non, Slim, c'est pas ça. Parce que vu que là, il n'y a pas de match jusqu'à la semaine prochaine, du coup, s'ils ont quartier libre, ils sont libres en repos, ils repartent pas tous ensemble. Hein. Attends, ils ont tous leur. Toi, t'es entraîneur, Momo. Tu viens de voir un match pitoyable. Tu vas leur donner quartier libre ? Normalement, non, mais là, vu dans la situation, est-ce que Pancho va être énervé contre eux ? Je ne sais pas. Ah ben, il n'est pas énervé, putain, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Ah oui ? Je ne sais pas. Parce que même lui, au niveau qu'il avait à l'époque, il aurait joué dans cette équipe-là, crois-moi qu'ils auraient pris des gifles hein, s'il aurait été sur le terrain. Bien sûr. Ouais, mais regardez les conférences de presse d'après-match. Les joueurs, ils disent « on a joué comme si c'était un match amical ». On n'était pas bon, on n'était pas. Ouais, là. Mais ça, c'est les caméras. Oui, non, mais là, ils sont formatés, les mecs. C'est, Non, clairement, non. Là, c'est pour le coup, je ne suis pas d'accord. Là, les joueurs, en fait, s'ils te sortent ce genre de blague, c'est parce que justement, ils ne veulent pas se rendre ridicule en disant on a été mauvais sur toute la ligne, on n'a pas été incapable de faire des passes niveau U13, des U13, voire même des U11, je crois. Bon, tu peux m'aller. Voilà, clairement. Non, mais. C'est pas ça que je veux pointer. Même c'est les contrôles que de je veux montrer. Moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est comment tu peux dire qu'on a pris ce match comme si c'était un match amical. Non, il a dit. C'est pas ça. C'est dans le sens où il disait qu'on a eu un niveau d'un match amical, ça allait pas. Ils avaient pas les jambes. Je pense que c'est ça. Hein. Généralement, le match amical, c'est à moins envie. C'est un moi, match amical. Ils me font de la peine. Ils me font de la peine. Moi, j'écoute même pas ce qu'ils disent. Je regarde juste ce qu'il y a devant moi. J'ai de la peine pour eux. Ils se sont fait massacrer. Ils ont eu deux matchs dans la semaine, c'était trop pour ce genre de petits joueurs. Trop. Alors, il y a JC qui nous dit, je fais mon cadre parce qu'il nous donne une info. Il nous dit, une enquête a été ouverte dimanche
a indiqué, confirmant une information du quotidien régional La Provence, elle a été ouverte contre X, des chefs d'extorsion, chantage et menaces sous condition. Écoute, on verra ça. Ils récupèrent tous des trucs là, les. Non, mais là, c'est bon. Là, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, voilà, je vais essayer d'incriminer un maximum, quoi dire, certaines personnes qui m'ont fait dire des pseudo menaces et compagnie, parce qu'il y a eu, même le gars des Dodgers a confirmé qu'il n'y avait pas une menace. Il y a eu des mots qui se sont élevés. Après, certains ont commencé à gueuler et certains sont sortis. Et tout le monde est sorti après quelques minutes. Et ils étaient choqués par rapport à ça. Après, si c'est des menaces du type, moi à ta place, je ferai attention à mes arrières. Oui. Ça peut être une forme de menace en soi, mais de là, est-ce qu'il y a extorsion et compagnie? Non. Mais s'il y en a, c'est certainement pas ce qui a été dit pendant cette réunion. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas de la réunion, Slim. Hein. Ça, c'est, oui. C'est de avant. Hein. Il a dit, c'est pas de la réunion. Mais je voulais qu'on parle vraiment sur ce qui se passe là en ce moment. Là, on va parler un peu de l'entraîneur, les amis. Donc là, on nous cite Galtier. Voilà, ça, c'est le nom qui ressort. Vraiment, ça, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si c'est vraiment ça arrive, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te dis honnêtement, c'est mieux que Marcelino, même si je le déteste, ce mec-là, parce que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Mais au niveau entraîneur, à son niveau, il est largement meilleur que Marcelino et c'est un meneur d'homme. Après, je le déteste. C'est tout. Slim. Moi, ça m'indiffère. Honnêtement, ça m'indiffère. Qu'il soit entraîneur ou pas, ça m'indiffère. Il va venir à l'OM, il va devoir faire son mea culpa. Son mea culpa, ça va être quoi? 4 victoires, 5 victoires Non, mais ça va être, tu sais, son mea culpa, ça va être nous qualifier pour les phases suivantes de l'Europa League, clairement. Ah, puis on a assez de problèmes. On n'a pas besoin de ces problèmes à lui, franchement. Non, mais moi, c'est pas ça qui me fait peur, en vérité. Mais moi qui vienne, je m'en fous. Il va devoir faire son mea culpa, il va devoir s'expliquer. Le problème, c'est que c'est les clubs de supporters. Est-ce que vous pensez que les supporters dans leur ensemble, ils vont accepter d'avoir Galtier? Ils vont le siffler, ils vont le... Mais même moi, j'ai envie, je vais le voir sur le banc, je vais être dégoûté. Eh oui. Ça va attiser encore plus de haine. Eh oui. Non, mais en plus, c'est même pas ça le problème. Tu vas voir, les Parisiens, ils vont encore se foutre de notre gueule. Ah, vous faites les poubelles de notre sport, enfin de notre football. Voilà. Vous faites les poubelles de nos stades. Voilà, ça, à la rigueur, encore, je m'en fous, mais même, de toute façon, on le déteste. Non, mais il faut arrêter. En plus, c'est pas ça. Il y a des entraîneurs qui sont disponibles. Il faut arrêter. Oui. Il y a des entraîneurs qui ont cette logique de 4-3-3 offensif. Après, tu en as deux ou trois qui ressortent en ce moment. Il y a des noms qui ressortent. Moi, j'ai Lopetegui, par exemple. Bon, c'est un entraîneur espagnol de Séville. Il a gagné une Europa League et c'est quelqu'un d'assez sérieux. Maintenant, est-ce qu'il a le charisme nécessaire pour pouvoir entraîner ses joueurs? J'en sais strictement rien. Parce que le problème, ça marche pas. De toute façon, on change tous les ans. À un moment, il faut innover. Voilà. Pourquoi on ne donne pas la chance à quelqu'un encore qui n'a pas percé? Regardez dans des petits clubs en France, il y en a, ils viennent des jeux vidéo, des machins, des gars qui ont une autre vision du foot. Là, ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans, on change d'entraîneur tout le temps. Oh. Oui, mais bien sûr, mais c'est parce que tout simplement, tu as une direction qui n'est pas capable de maintenir des entraîneurs parce qu'on te dit, voilà, tu as des joueurs. Et elles sont de qualité, on va dire, de troisième catégorie, voire de quatrième catégorie. Toi, tu es un entraîneur plutôt de deuxième catégorie. Fais-moi dire de tes ânes des chevals de course, même s'il faut leur couper les oreilles. Tu vois le truc? Il y a un moment, il faut qu'ils analysent, qu'ils se disent, tiens, on a pris tous ces coachs-là les dernières années, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'ils arrêtent de nous faire venir des Espagnols de je ne sais pas où. En France, il y a des très bons entraîneurs déjà. Il y a ce qu'il faut en France, même les joueurs, les entraîneurs, il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger. Ou alors, si c'est pour avoir. Il y avait le nom de Julien Stéphan, Scred. Tu penses quoi de Julien Stéphan? Franchement, c'est un futur très bon entraîneur, mais je pense que c'est trop tôt. Moi, là pour cette saison, hein, je parle. Hein. Cette saison-là, dans l'urgence, je pense pas que ce soit le bon choix. Toi, tu penseras à quel coach alors qui pourrait faire les affaires de l'OM? Un mec d'expérience de Ligue 1 qui connaît la Ligue 1 par cœur, même s'il Laurent a pas Blanc. Le niveau. Non, c'est pas un mec d'expérience. Il entraîne tous les 10 ans, ce mec-là. Ouais, c'est vrai. Moi, je prends un ancien, même si c'est un cas qu'on n'aime pas, mais un Antonetti, un Jean-Marc Furlan, un mec qui connaît la Ligue 1. Il va juste faire le travail propre pour cette saison et l'année prochaine, on repart sur un truc tout neuf. Mais ça va être le même principe. Entre Blanc et Antonetti, je préfère Blanc. Hein. Même si je ne veux pas les deux. Blanc, c'est un sélectionneur en vrai, c'est pas un entraîneur. Ouais, c'est un manager, lui. C'est pas un entraîneur. Il faut un mec qui soit sur le terrain, proche des joueurs.
Tant qu'à faire, t'as qu'à prendre 10 cigares au pire des cas. Tant pis. Il y a Saint-Kiss qui dit. Il y a Saint-Kiss qui dit qu'en boire. Non, il rigole. C'est pas assez ballon. Un mec qui parle ballon. Gallardo. Écoute, c'est très simple. Regarde, il y a 10 entraîneurs. Là, je suis en train de regarder la liste des 10 entraîneurs. Tu en as à peu près 7. Tu oublies parce que c'est même pas la peine. D'accord, moi, Louis Fernandez. Celui de Reims, il me plaît, moi. Voilà. Tu oublies Pires, Ripoll. Voilà. Je veux Saint-Gouvernec, tu oublies aussi, c'est un loser. Voilà, Laurent Blanc, n'en parlons pas, Camboiré, c'est pas possible. Claude Puel, même pas, non, il a une sélection féminine, tu peux pas. Moi, il m'aurait Antonetti, pas. Pareil. Domenech, c'est pire. Philippe Montagnier. Style, là, il est pas mal, lui, non? Non, mais moi, oui, Hervé Renard, je l'aurais bien aimé le voir à l'OM. Tu vois, c'est dommage qu'on ne l'ait pas tenté. Il a des couilles, c'est un honneur d'homme, tu vois, j'aime bien aussi. Ouais. Non, mais plus, Didier Digard, à la limite, c'est pas une mauvaise idée en soi. C'est un jeune, et en plus, il a le même âge que quasiment toute la génération, donc ils vont l'écouter davantage. Après, c'est sûr qu'il va être un peu plus exigeant, et il va proposer un jeu offensif avec un peu plus de rigueur, c'est clair. Maintenant, voilà, t'as Lopetegui, l'espagnol, mais bon, c'est pas mon trip. Quoique si, ça peut être pas mal, mais il aura pas le charisme nécessaire. Il te faut quelqu'un à la dure, quelqu'un qui te fait mâcher et qui va te faire travailler comme un dingue. Alors, on a des noms un petit peu. Gattuso, ouais, moi j'aimerais, ouais, Gattuso. Gattuso, c'est la piste qui me semble plus parce que lui il était proche de Lyon, c'était quasi fait et à la fin ça a foiré pour un truc. On sait pas c'est quoi. Il va pas parler français. Mais réseau italien, il a le caractère fou un peu qu'on aime à l'OM. Il a entraîné le Milan, donc il peut. Ça peut être pour lui quelque chose, tu vois. Moi, voilà. J'aimerais bien lui, mais en français. Voilà. Et il y a James qui dit Favre. Voilà, il propose trois. Il dit Favre, Gallardo ou Antonetti. Voilà. Gallardo, Antonetti, Favre. Non, il est vieux, il est fatigant. Antonetti, voilà. Il a la niaque, tout ça, mais il n'est pas aimé. AVB nous dit Néo. Est-ce qu'on peut revenir avec Moi, je le prends de suite. Moi aussi, j'aimais bien, moi. Oui. Mais vous pensez que Longoria le veut ou pas? Moi, je ne pense pas qu'il le veut. Hein. Vous avez voulu reprendre ce qui s'est passé pour qu'il parte. Je suis d'accord avec toi, Slim, c'est à cause de Longoria qu'il est parti, là. C'est mais ça, c'est plutôt lui qui ne voudra pas venir. Voilà, c'est lui qui ne voudra pas venir tant qu'il y a Longoria. C'est ça. Bien sûr. Non, il n'y a pas le choix. Non. Franchement, écoutez, vous savez, Julien Stéphane, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne va pas être suffisant. Tu peux prendre à la limite Didier Digard. Et les Bob. Et les Bob, il n'y a pas de jeu, mais au moins tu gagnes 1-0. Je pense qu'il n'a même plus envie d'entraîner. C'est pas de moi, hein, c'est de Saint-Kiss qui nous a dit ça en commentaire, il m'a fait rire. Tu t'ennuies, mais au moins tu gagnes 1-0. Il a raison. C'est vrai qu'il ne fait plus rien, lui, ça fait longtemps. Mais il ne faut pas chercher plus loin. Actuellement, c'est simple. Le problème des entraîneurs français, c'est qu'ils sont parfois ancrés dans leur précepte de tu bourrines en défense, tu fais ce qu'il faut en défense, tu proposes peut-être un jeu plus ou moins offensif avec quelques milieux, on va dire relayeurs, qui vont faire des contre-attaques rapides et puis terminer. Sauf que c'est pas ce qu'il faut. Il faut avoir un fond de jeu que personne ne propose actuellement. C'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé à Paris hier. Vous avez vu quand même le fond de jeu qu'ils ont proposé. Ils ont fait pression haute, ils ont pressé, ils ont mis le milieu de terrain assez haut pour pouvoir compenser et la défense qui montait quasiment à notre milieu. Avec ça, ils ont circulé le ballon comme il faut. En vrai, il ne faudrait pas penser, il ne faudrait pas prendre en compte ce match-là. Regardez tous les autres, c'est les autres surtout, on a été en difficulté à Metz. C'est là qu'il faut regarder, tu dis là, il y a un vrai problème. Là. Contre Paris et dominé contre ces joueurs-là, tous les jours de toute façon. Voilà, mais non, c'est pas normal. On galère même contre des petits, putain. Alors, il y a Jean-Christophe qui dit « Et Papin ?» Avec un contrat, peut-être… Papin, il n'entraîne pas depuis 20 ans. En vrai, ça sert. Il faut un gars qui soit prêt, là. Un nouveau truc. On arrête avec les vieux entraîneurs. Écoutez, ou alors un vieil entraîneur qui joue au ballon, tu vois. Ouais. Bon, les gars, je vais vous laisser. Merci, Bruno. Merci d'être passé, mon ami. Bruno. Prends soin de toi, mon ami. À plus. Ciao, ciao. Merci, ciao plus. Bon appétit, Bruno. Bielsa, il en est des sélectionneurs de l'Uruguay, Léonard. Ouais. Sinon, je vais venir tout de suite. Ah ouais. Eh oui. C'est meilleur. Non, mais là, c'est même pas la peine. Moi, honnêtement, c'est même pas la peine. Moi, je vous le dis la vérité.
Là, de toute façon, Pancho, il va rester jusqu'à Le Havre, clairement. Donc, il lui reste trois matchs. Ces trois matchs, il va falloir qu'il arrive à les négocier comme il faut avec. Tu penses qu'il va rester jusqu'à Le Havre ? Ah non, mais ça, c'est confirmé. Bien, ça. Ah, ouais, c'est confirmé. Ah oui, oui, confirmé. Puisque de toute façon, il va y avoir après la trêve de 2 semaines. Ça veut dire que tu auras le temps de choisir ton entraîneur pendant cette période. Donc, il reste 10 jours à peu près. Alors, 1 semaine et on va dire donc, quasiment 2 semaines. Après, tu auras une trêve de 2 semaines. Ça veut dire que pendant cette période, il faut que tu trouves rapidement un entraîneur qui te propose un plan avec un staff qui soit vraiment à la hauteur pour qu'ensuite, il puisse commencer dès le lendemain du Havre à mettre en place son système de jeu et son entraînement avec certains joueurs qui sont, pour ma part, complètement en dessous, quoi. Il va falloir faire une préparation militaire limite et permettre, on dirait, à certains joueurs de casser, on va dire, ce plafond de verre parce que de toute façon, tu en as 3, voire 4 qui sont maintenant limités. Clairement, ils ont une limite psychologique, une limite technique et une limite de tout ce que tu veux qui fait que ce n'est pas possible. Et pour ma part, il y a certains joueurs, malheureusement, qui ne sont pas à la hauteur, c'est tout. Ils ne sont pas à la hauteur. Moi, Rongier, il m'a dégoûté hier. Il m'a vraiment dégoûté. Ça fait 3-4 matchs qui nous fait ça, 3-4 matchs qui est vraiment à l'ouest. Voilà. Cette année, ça ne va pas. Ça va pas. Dans la tête, là, ils ont tous un problème. Là. Ça ne va pas du tout. Bah, pour moi, je vais être honnête avec toi, Marcelino, il en est en partie responsable. Ouais, ils ont fait la misère. Tu dors aussi, ils ont cassé ce groupe. Oui, ils vivaient bien, c'était la fête, hein, ils s'entendaient tous bien, il y avait de la joie. Même s'ils n'étaient pas tous forts techniquement, ils se battaient comme des chiens. Et ils ont cassé ça. Bah oui, mais ça, vois-tu, c'est quand tu as un entraîneur d'un fou furieux comme Sampaoli qui t'apporte une grita de malade, quand tu as vu comment ils étaient contents d'être qualifiés en Champions League, alors que franchement, c'était inespéré, ils étaient en train de communier, ils étaient tout le temps d'ailleurs à l'entraîneur, ils n'ont jamais dit un mot de travers. Là, ils les ont cassés. La joie, c'est vrai, hein, c'était beau à voir, même si le jeu n'était pas toujours, on en avait marre de la passe à 10, il y avait de l'ambiance, c'est passé. Les amis, il y a une petite info qui est tombée. Ça vient de Thibaut Vidrian. Donc lui, pour les entraîneurs, pour le coup, il a raison parce que Sampaoli, il avait annoncé le matin avant qu'il démissionne. Tudor, pareil. Donc voilà, ça c'est juste sur l'entraîneur. L'information de Vidrian, il dit donc le camp Galtier très confiant pour une arrivée en milieu de semaine. Donc cette semaine-là, arrivé à l'OM, coup de com' aux réalités. Longoria avait un autre choix le week-end dernier et on parle toujours aussi d'un nom jamais sorti dans les médias. Ça va vite se décanter. Donc voilà, donc il est en train de dire que l'entraîneur va être nommé. Mystère et de gomme, en fait, c'est ça. Moi, là où je le rejoins, c'est que là, tu peux pas te permettre de prendre 3 semaines pour prendre un coach. Parce qu'on va lui dire que tu avais l'été pour le prendre. Tu savais déjà que Tudor n'allait pas rester. Tu as attendu la dernière minute pour faire venir Marcelino. Là, tu peux pas, surtout si les résultats sont mauvais. Tu ne vas pas dire « Ouais, c'est pas grave, on attend que le coach il arrive, tout ça. » Donc, je pense que moi, au contraire, je pense que le coach va débarquer cette semaine. Et au plus vite, pour au moins préparer le match de Monaco un petit peu. Parce que tu fais venir la veille de Monaco, Il dit « Pancho, et il va battre Monaco, Brighton, et c'est lui qui va rester. » Non, c'est... Moi, ça me ferait plaisir, hein. Je kifferais hein, ça. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'il a le niveau? Mais j'aimerais. J'aime le mec, quoi. Alors, ça aurait été possible s'il aurait fait un meilleur résultat hier soir. Tu vois ? Ouais, parce que là, tu te dis, face à l'Ajax, tu as un semblant d'espoir d'avoir vu un petit peu quelque chose de mieux. Ça se confirme face au Bois de Boulogne. Là, il peut se dire, vas-y, laisse-le voir contre Monaco ce qu'il fait. Et là, on peut se poser, s'asseoir, discuter et voir ce qu'on peut faire avec Pancho. Mais non, là, franchement, moi, je pense pas comme toi. Je me dis 48 heures, il apprend qu'il est entraîneur. Hop, il fait un résultat. Déjà, match de Coupe d'Europe. Tout de suite, tu vois, dès son premier match, il fait partie de l'équipe. Et là, Paris, c'était trop pour lui. Si je ne peux pas lui demander un miracle. Scred, il fait partie du staff. Donc, il vit tout ça. Il a déjà vécu les classicos, les matchs de Coupe d'Europe l'année dernière. Il a déjà vécu tout ça parce qu'il était dans le staff. Ouais, mais en une semaine, il ne peut pas mettre sa patte et changer les joueurs, match contre Paris. Ça aurait été contre Monaco encore. Après, allez. Attention, je ne suis pas en train de le blâmer parce que autant c'est même pas lui qui a fait la compo, autant c'est Longoré, il lui a dit tu ne prends pas la tête, joue à 5 derrière. Tu vois, on ne sait pas. Là, ce qui va être important, là, c'est. Il faut l'oublier ce match en fait. Si c'était sûr, quoi qu'il arrive, tu pouvais mettre qui tu veux, on aurait pris les 4, même plus. Oui, peut-être, mais bon, à la limite, j'aurais préféré plutôt que, encore une fois, c'est l'attitude des joueurs qui a posé problème. Et vu le match qu'ils ont fait contre l'Ajax, même si, alors pour le coup, j'ai vu une attaque vraiment qui s'est révoltée, tant mieux, mais par contre, j'ai vu une défense qui était complètement aux abois. Ça se voyait qu'ils s'en foutaient limite.
Eh ben, j'espère que c'était le contre-coup de tout ce qui s'est passé et que c'était que ça sera mieux. Non, match. Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'au prochain match, on va voir ce qui va se passer. Ça va être là le plus important, c'est le prochain match. Tu sais, de toute façon, regarde, moi je regarde par exemple les entraîneurs italiens, parce que tout le monde parle de Conte, ça serait pas une mauvaise idée, mais le problème de Conte, c'est qu'il va te brouiller la défense, il va te faire un jeu limite dégueulasse, mais par contre, tu sais que défensivement, ça va tenir le choc. Mais par contre, il est d'une exigence tellement absolue que tu sais que la moitié de l'équipe va virer, parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est ça le problème, tu peux pas mettre sur le même plan des Song, des... comment il s'appelle l'entraîneur, le joueur brésilien, je ne me rappelle plus de son nom. Gerson. Non, pas Gerson, non, pas Gerson, c'est le joueur brésilien Richardson. Non, c'est Richardson. C'est Richardson. Richardson, le grand là qui met les retournées acrobatiques. Ouais, Richardson, lui, c'est ça. On aurait un joueur comme ça, putain. Non, mais clairement. Donc voilà, tu vois, donc, je sais pas, moi personnellement, moi, un jeu dégueulasse à compter à 3-4-3 à plat, bah, oui, pourquoi pas, mais on n'a pas les qualités techniques pour ça. Clairement, il te manque des joueurs pour ça. Donc ça sert à rien. Il te reste à la limite. Pour moi, il y a comme joueur, comme entraîneur, Gattuso me semble être le plus indiqué. Qui t'a fait vraiment un truc de fou. Et par contre, ça veut dire qu'il va falloir bosser dur avec lui. Et le problème, c'est que bosser dur, ça signifie qu'il faut du temps. Or, on n'a pas ce temps. Tu vas avoir 3 semaines maximum. On va saluer James qui nous a rejoint. Salut James. Salut. Bon, malheureusement, sur le résultat d'hier. Au point de vue pronostic, je pense que malheureusement, je ne me suis pas trompé. J'avais vu des choses qui me surprenaient sur le match de l'Ajax, hormis le côté où on s'est battu, ça c'est sûr, mais j'ai vu une équipe avec beaucoup de difficultés au niveau collectif. Et puis je vous rappelle que l'Ajax perdait 3-0 à la 60e chez lui contre Feyenoord et que le match a été arrêté. Parce que le public a jeté des projectiles sur le terrain. Donc, on se rend compte que l'Ajax était une faible équipe au moment où on les a joués et que le 3-3, c'était un peu flatteur par rapport au niveau de l'Ajax. Et on s'est rendu compte hier que, effectivement, notre équipe est malade, notre club est malade et beaucoup de choses sont malades. Moi, ce qui me dérange un petit peu sur le truc de l'entraîneur, c'est qu'on voit une direction qui est dans l'urgence de prendre un coach. Alors que le plus important, c'est pas d'être dans l'urgence, puisque on a quelqu'un qui peut faire un intérim, mais c'est trouver la bonne personne en fait, qui va être en adéquation par rapport à la mission qu'il va avoir à faire. Donc il faut pas prendre un entraîneur pour prendre un entraîneur, il faut prendre un entraîneur qui va nous faire évoluer l'effectif. Qui va sauver la saison. Et remettre un peu le collectif dans le droit chemin, parce que j'ai vu hier un collectif qui était aux abonnés absents, et j'ai vu vraiment un manque de caractère quand tu joues un classico et que tu portes le maillot de l'OM et que tu vas au Parc des Princes. J'ai rarement vu une équipe aussi faible dans l'engagement et dans l'envie, chose qui est le plus important dans un match de football. Donc, surtout sur un classico, bien sûr, ou en plus que tu es en dessous. Enfin, bref, voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, et là il va falloir un entraîneur à poigne. Il va falloir un entraîneur qui va les secouer et un peu leur faire sortir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que là, pour l'instant, ce qu'ils ont dans le ventre, je n'ai pas vu grand-chose. Donc voilà un petit peu l'interrogation. Après, pour moi, aujourd'hui, le match le plus important, ça va être le match qu'il va y avoir entre la direction et les supporters. Voilà, clairement, le vrai match aujourd'hui, il est là. Parce que les pouvoirs publics commencent à se pencher sur ce dossier, et quand les politiques se mettent dans ce dossier, souvent c'est pas le sportif qui est gagnant dans cette histoire. Donc voilà un peu ma plus grosse inquiétude par rapport, qui est plus important que le match d'hier. Donc on est dans une tourmente, on est dans une mauvaise période. Maintenant, on va voir comment on va y sortir pour pouvoir ce sportif puisse avoir entre guillemets une bonne ambiance de travail, on va dire. Donc maintenant, il n'y a que les jours, il n'y a que le temps qui nous laissera savoir ce qui va se passer dans quelques temps. Parce que je vous rappelle que Longoria et communiqué de ma courte dit que de profonds changements va découler de ce qui s'est passé. On va les attendre. Voilà, excusez-moi d'avoir un peu été un peu hors sujet par rapport à ce que vous parliez, mais. Non, c'est intéressant.
Le seul truc, c'est que si ces profonds changements se font au niveau de la direction, ça veut dire que derrière, tu vas te retrouver encore une fois à devoir attendre de trouver ton futur entraîneur, puisque évidemment, il faut que ça passe aussi par la direction, par le directeur sportif. Si bien tenté que le directeur sportif soit peut-être le même, parce que si c'est pas le même, ça va être encore un plus gros bazar. Tu vas voir aussi, bah, si jamais Longoria saute, bah, il va falloir tout recommencer. Non, moi, je suis pas vraiment confiante par rapport à tout ça. Ce que je peux te dire, c'est que, enfin, je vais essayer de reprendre et de mettre les idées bien claires. Ce qu'il faut, qui se passe, c'est que si tu veux vraiment sauver la baraque, tu es obligé de gagner les trois prochains matchs, au moins pour calmer le jeu pendant 2 semaines. C'est-à-dire Monaco, ça sera vraiment crucial. Ensuite, Monaco, il y aura Brighton. Les griefs ne sont pas sportifs, c'est ça en fait. Je serais d'accord si le public gueulerait parce qu'on n'a pas des résultats. Mais le problème de la fronde des supporters, c'est pas le sportif. Et d'abord, on voit bien la réunion. C'est pas le sportif. Mais je suis d'accord, mais c'est là où je veux en venir. C'est que même si c'est pas sportif, le simple fait de gagner ces matchs-là va forcément déjà calmer le jeu. Parce que si t'as des clubs de supporters ou n'importe qui commence à critiquer Longoria, commence à vouloir faire, on va dire, des dépôts de plainte et compagnie, ils vont déjà avoir une mauvaise image parce que les autres supporters vont se dire, attendez, ils ont gagné les matchs, on va leur laisser un peu de temps pour se mettre en place, on va discuter un peu plus tard, on va essayer de calmer le jeu. Là, les choses commencent à revenir à la normale. On n'est pas là pour enfoncer qu'il y a une direction. Sauf si derrière, il y a vraiment quelque chose de grave. Et là, le problème, c'est que quand je regarde un petit peu l'ensemble de ce qui a été dit lors de cette réunion, parce qu'on a eu des retranscriptions, on va dire, et des déclarations de certains, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement un mec qui est au sein du centre de formation pour les jeunes, qui en fait est quelqu'un de pas très recommandable, qui fait partie du groupe de Longoria. Ce mec-là a fait des choses limite inacceptables vis-à-vis des jeunes en ce qui concerne par exemple les contrats et le fait qu'ils doivent signer dans les trucs d'agence, enfin, dans le cercle d'agents de Longoria, un truc de ce genre, on les force à signer là-dedans. Le coût des filles et le fait qu'elles se changent en dehors, c'est n'importe quoi. Ça, plus le fait qu'ils n'aient pas de budget pour les faire manger, ou je ne sais trop quoi. Vous avez en fait différents petits événements qui font qu'à un moment donné, ça décrédibilise l'action de la direction. En se disant, mais vous faites quoi avec nos jeunes? Voilà. Parce que je ne pense pas que sportivement, à part les quelques matchs où c'était vraiment pourri, je ne pense pas qu'on ait demandé la démission de Marcelino. On a dit simplement, le fond de jeu était pourri. Ce qui n'a pas été demandé lors de la réunion. Moi ce qui m'étonne, oui. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, ce que le reproche que font les groupes de supporters lors de la réunion, c'est qu'ils ont depuis quelque temps essayé de discuter avec les responsables. Ils ont essayé à la réunion de leur dire, mais vous allez réagir quand? Et c'est la non-réponse, en voyant qu'ils, franchement, ils n'en avaient rien à foutre, qui a fait sortir de ces gonds à leur tour. Donc, il y a eu Rachid dans un premier temps qui a parlé en leur disant, les gars, si c'est pour rien faire et pas protéger les enfants, cassez-vous. Il est parti. Les autres groupes de supporters sont restés. Ils ont essayé d'avoir des réponses. Pas de réponse. Alors, ça parlait aussi de la politique du club. Pourquoi on a viré pourquoi Mandanda est parti? Pourquoi Payet est parti? Pourquoi Guendouzi est parti? Pourquoi Sanchez est... Tous ceux qui apportaient une âme dans notre équipe, pourquoi ces gens-là sont partis? Donc, le problème, c'est qu'on a une direction qui ne communique plus. Longoria parlait au début, avait une vraie relation avec les supporters. Et je ne sais pas ce qui se passe depuis plus d'un an. Longoria ne communique plus. Donc, bah en vrai, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Hein. C'est pas plus dur que ça. JHE, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il y a Longoria qui a débarqué, il est en train de le faire, lui. Lui, il le fait, mais par une autre manière. En fait, il est en train d'endormir tout le monde. Tout simplement. Là-dessus, il endort tout le monde. Parce que si tu veux revendre un club, parce que de toute façon, ça, le club, il y a eu des offres. Mais il n'a pas été vendu, mais ils veulent le vendre, ils aimeraient le vendre. Le problème, c'est que les gens qui veulent l'acheter leur disent à condition que les tribunes appartiennent au club. C'est les abonnements, tout ça, tout ce qui rapporte de la thune. C'est le seul moyen. Ils ont essayé avec Agora, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, on va s'y prendre d'une autre manière, avec une autre personne. Lui, il l'a fait proprement. Il a attendu une erreur, les gens, ils ont plongé dedans. Ils ont plongé dans le truc. Et lui, il les a attrapés, là, et c'est bon. Et ben, là, c'est foutu, c'est devenu politique. C'est une affaire politique maintenant. Ça veut dire qu'il va obtenir ce qu'il veut.
Bien sûr. Eh oui. Ça dépend. Parce que là, pour le coup, là, on parle de menaces de mort, on parle d'extorsion, on parle de beaucoup de choses, de chantage. C'est sûr que maintenant, si ça n'a rien à voir avec l'affaire qui était liée à la Réunion, il va être un peu bené. Par contre, s'il apporte d'autres preuves, des preuves liées à d'autres événements qu'on lui précédemment... Si c'est vrai, ça veut dire qu'il aura réussi à les pousser à bout, à faire une connerie, pour justement les attraper au vol. Mais moi, les amis, je vais vous poser une question. On prend Rachid, on prend Cataldo, par exemple. Moi, c'est ceux que je connais le plus avec le responsable des ultras, parce qu'à un moment, j'étais dans les ultras. Comment, aujourd'hui, ces gens-là qui sont là depuis plus de dizaines d'années, 20 ans, Cataldo, qui est quelqu'un de... qui est un postier, qui travaille toute la journée, qui a toujours un discours fédérateur, réfléchi et tout. Comment ce gars-là peut nous dire, à la Réunion, mais en fait... Oui, un verbe haut, comme à Marseille, est normal, mais pas de menace, pas de truc, attention à tes arrières. Et là, tu vois Téléfoot, tu vois BFM Marseille, qui sont en train de raconter comme quoi, en fait, les supporters ont diabolisé cette réunion. Pourquoi il y a un écart entre ce qui est vraiment passé, où tout le monde est unanime sur le fait qu'effectivement, il y a eu du mécontentement de la part des supporters. Et moi, je trouve, par rapport à ce qu'ils ont dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pourquoi, d'un autre côté, tu as des gens qui te disent « Mais non, mais on nous a menacés. » Alors, au début, c'était deux morts. Après, ils ont dit « Ouais, c'est un peu gros. On a menacé. » Et là, tu as Téléfoot, TF1, qui dit que quelqu'un des groupes supporters aurait dit « Attention, les gars, vos arrières. » C'est-à-dire, quand vous allez sortir de chez vous, bon, vous pouvez prendre un coup de couteau, quoi, tu vois, que ce soit dans le sens propre ou figuré. Mais si c'est ça qui a été dit, c'est grave. Mais est-ce que c'est ça qui a été dit? Et pourquoi les médias assignent de telles choses? Alors, j'ai l'impression de ta question. Tactique de déstabilisation visant à décrédibiliser les groupes de supporters, tout simplement. Tu t'imagines si la France a un contrat, par exemple, avec les Saoudiens qui veulent racheter l'OM et qu'ils ont leurs conditions, ils sont en train de tout mettre en place. Parce que ça va pas être. J'ai 45 ans, j'ai toujours connu Rachid. J'ai toujours connu Cataldo, ce sont pour moi des gens quand ils disent quelque chose, c'est un papa pour moi, tu vois ce que je veux dire? C'est un papa pour moi, tu vois? Quand j'entends que ces gars-là sont diabolisés dans les médias, j'ai mal au cœur. Maintenant, si Rachid, effectivement, il a menacé Longoria, bon, Rachid, t'as déconné sur ce coup-là, tu vois? Bon, allez, tu retournes voir Longoria, tu t'excuses, et puis t'as eu un mot, et terminé. Mais là, à voir... L'entraîneur qui se barre alors qu'ils ont parlé 10 secondes de l'entraîneur, tout le monde prétend partir. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais tu vas vers la Provence qui pleure. J'ai donné mes numéros de téléphone avec ma mère et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette instrumentalisation? Qu'est-ce que c'est que ce théâtre, en fait? James, ça est très simple. Hein. C'est tout simplement, on est en train de décrédibiliser, quoi dire, en fait, les deux grands patrons des plus grand club de supporters à Marseille actuellement, parce que moi, tu avais les Yankees, là, tu as les South Winners et tu as les Dodgers, ce sont, tu connais un petit peu la volumétrie, le volume, tu connais le nombre d'adhérents qu'il y a dans chacun de ces groupes, les ex-mêmes Yankees. Là, aujourd'hui, c'est simplement une manière de décrédibiliser une personne et tout un groupe, sachant que je ne pense pas que Rachid va vouloir démissionner, parce qu'à la limite, tu sais c'est quoi la seule solution? Et après, c'est à mon avis, c'est ce qu'a pensé aussi Longoria. Si c'est quelqu'un d'assez vicieux, c'est comme ça que moi j'aurais fait. Je mets en tête l'idée que soit on décrédibilise les South Winners et l'ensemble des clubs de supporters parce qu'on voit qu'ils ne jouent que pour leur intérêt, soit sinon je m'arrange pour faire gicler les têtes de proue de chacune d'entre elles, donc ça veut dire Cataldo. Encore Cataldo, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de tordu. Donc, moi, je le connais de réputation, c'est quelqu'un de tranquille. Et Rachid, c'est sûr que. Moi, je ne le connais pas personnellement, j'en ai entendu quelques fois parler. C'est quelqu'un, on va dire, d'assez franc, du collier, mais par contre, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc, peut-être qu'il voudra peut-être faire sauter certaines figures emblématiques des clubs de supporters pour ensuite avoir peut-être quelqu'un sur qui il peut s'arranger. Comme ça, après, au bout de 2 ans ou 1 an, quand l'avance se fera, les clubs de supporters diront « Écoutez, vous récupérez la billetterie, mais vous nous ferez un petit peu des prix avantageux. » Tu vois le truc, hein? Rachid, en fait, il est comme ça. Quand il y a un truc qui lui tient à cœur, il part en guerre, lui. Non, mais heureusement qu'il est énervé. On s'attaque au minot. Il y a des parents qui ont essayé de prendre des rendez-vous avec la direction. Non seulement la réunion n'a pas eu lieu, et en plus, ils ont mis des bananes. C'est-à-dire qu'il y avait des rendez-vous, les gars, ils ne sont pas venus.
Heureusement, Rachid, il est venu. Alors, c'est vrai que c'est lui qui s'est fait avant et qui a dit, oh les gars, oh, c'est pas parce que vous êtes des mecs à cravate que les parents, faut pas les voir. Il y a quelque chose qui est grave quand même dans l'histoire des féminines et dans l'histoire de l'académie. Nous, on veut des explications. Et c'est là où ils n'ont pas répondu. C'est pire, c'est que ne pas répondre, c'est encore pire que de répondre et ne pas être d'accord. Dans la retranscription, James, on avait en fait l'Angolais qui lui semblait être tout aussi surpris de la situation. Il n'était pas au courant de certains sujets. C'est sûr que... Rendez-vous avec Longoria, avec un responsable des supporters au mois de juillet. Il était bien sûr au courant. Bien sûr qu'il était au courant. Le seul truc qu'il ne savait pas, c'est que la réunion allait tourner dans ce sens. C'est ça qu'il ne savait pas. Mais les histoires de l'académie, il est au courant puisque ça date de la saison dernière. Et il a été justement interpellé par rapport à ça. C'est là où les groupes supporters ont dit que ce n'était pas possible et que c'est monté. C'est qu'en fait, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. La communication entre les supporters et le directoire, zéro. C'est devenu zéro. Alors, tu comprends bien qu'à un moment, comme dit Cataldo, moi j'ai eu des relations avec Longoria. Je lui ai dit cet été, attention Longoria, il y a des problèmes. Ne fermez pas les yeux parce que ça risque de péter. Ça a déjà été annoncé. Déjà. Ils ont voulu faire la tête dans le cul et pas répondre à ces gens-là. Sauf que Deserwal et certaines personnes, si tu commences aujourd'hui à ne pas répondre à ce qu'il dit, et surtout quand ça touche aux minots de la ville, et les parents sont venus se plaindre, puisque les parents n'avaient pas de retour par rapport aux doléances qu'ils donnaient. Ils se sont bien sûr remis sur les groupes de supporters. Donc, quand ils ont su ça, bien sûr, ils ont été défendre les minots, puis ils ont eu raison, tu vois. Le seul truc où Rachid, s'il a eu tort, c'est qu'effectivement, s'il a proféré des menaces, on n'y était pas, on ne peut pas montrer. Moi, des infos que j'ai, c'est non. Mais si c'est la réalité, effectivement, la Rachid, il a déconné. Mais surtout sur le fond, ben je leur dis bravo, moi. Moi, je leur dis bravo. Bravo, parce que nous, c'est les garants du club. C'est les garants de la ville. Enfin, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces gens-là, pour moi, c'est les garants du club. Et aujourd'hui, se faire taper dessus, comme je vois ça, j'ai mal au cœur. Non, mais après, dis-toi une chose, c'est très simple. Marseille, ça a toujours fait vendre. Donc, il suffit un petit peu d'affabuler, un petit peu de romancer un petit peu l'histoire en mettant le côté un petit peu milieu, mafieux et compagnie, avec des clubs de supporters, Ville de Fous, Crise, Longoria, des millions et compagnie. Et clairement, tu fais une petite chakchouka, pour pas dire autre chose, pour ensuite avoir à la fin, on va dire, une histoire que tu peux pondre et que tu peux vendre comme tu veux à la télévision. BFM, franchement, c'est laissé une référence. Pitié, c'est news, n'en parlons pas, c'est pire. RMC, c'est dévendu, on va dire, de bonne conscience. Mais sinon, voilà, c'est zéro pointé. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Franchement, moi, je n'écoute même plus ces informations tellement que ça me gave. Je regarde simplement les résumés pour comprendre un petit peu le fond et après, je me fais mon avis pour te dire. Mais clairement, là, on est d'accord, c'est une tactique de déstabilisation des clubs de supporters pour décrédibiliser leurs paroles parce qu'ils ont réellement vu des choses qui posent problème. Et si le procureur de la République commence à se mêler de cette histoire et commence à voir qu'il y a quelques petits problèmes, il suffit qu'il commence à tirer un fil pour s'apercevoir qu'il y a un nœud, il commence à tirer le nœud pour s'apercevoir qu'il y a encore beaucoup plus de nœuds et beaucoup plus de problèmes que ça. Clairement, moi, j'ai des craintes. Et cette histoire-là n'aurait jamais dû éclater si déjà, un, ils avaient répondu aux sollicitations des clubs de supporters, pas de souci, tu as raison sur ce point-là, 200%. Et de deux, il y a certaines personnes qui sont un peu sulfureuses, ou en tout cas qui n'ont pas forcément bonne réputation, tu ne les fais pas venir. Voilà. Comment il s'appelle? C'est Igrosso, comment il s'appelle le responsable de la formation, du centre de formation, c'est un espagnol. Il a eu un précédent. C'est ça, c'est Igrosso. Irosso, ben, à un moment donné, il y a eu un précédent. Il paraît qu'il avait donné des produits, on va dire, illicites à des jeunes dans son ancienne formation. C'est passé à l'AS. Je crois que c'était Romain Monila qui avait balancé ça, à un moment donné. Moi, j'avais entendu parler d'une histoire comme ça, mais je ne savais pas que c'était lui. Je ne pensais pas que c'était lui et je ne pensais pas qu'on l'avait repris. Je savais. Voilà. On voit tous nos joueurs de caractère qui s'en vont. On voit. Alors, le Kakamara, quand même. Putain, il y a des problèmes. Entre la direction et le club. Camara est parti, libre, parce qu'il y a eu un souci. À un moment, il s'est fait prendre pour un con. Il a dit, bon, allez, salut, ciao. On prend le cas de Bamba Dieng. Hein. Pourquoi, d'un seul coup, Bamba Dieng, il ne joue plus? Bon, il y a quand même des histoires obscures, quand même, hein, sur le truc de Longoria. Moi, je veux bien être derrière Longoria. Je veux bien, parce que c'est mon club, et il ne faut pas que ça parte en sucette. Mais
Il y a un moment, on est quand même, nous, supporters, en devoir de demander des comptes quand même. Pourquoi Guendouzi s'en va? Pourquoi Sanchez n'a pas été reconduit? Pourquoi Payet est parti alors qu'il pouvait, dans les 20 dernières minutes, nous apporter une touche technique supplémentaire? Mandanda, il est parti. Bah, je trouve que par rapport à ce qu'il a fait au club, Payet, c'est quand même plus que limite. Enfin, c'est normal qu'on ait en devoir de demander des explications au club. Je vais être honnête avec toi, c'est notre faute. C'est notre faute, nous supporters, c'est notre faute. Si tu veux vraiment mettre la pression. Attends, non, mais je vais vous expliquer. Si nous étions un peu plus malins, nous n'aurions jamais acheté dès le départ les abonnements. On aurait commencé à tarder le fait d'acheter les abonnements. C'est-à-dire, en gros, on dit au club de supporters, vous n'achetez rien du tout pendant ce temps, vous attendez à peu près 2 semaines, 3 semaines, le temps de leur mettre vraiment la pression, et là, ils vont comprendre. Clairement. La seule façon de pouvoir vraiment toucher, on va dire, une direction, leur dire, voilà, les gars, on ne plaisante pas, on vous a laissé vraiment faire ce que vous voulez. Cette fois-ci, vous avez quand même des minimums de comptes à rendre aux supporters, parce qu'on est là pour vous aider, on est là aussi avec vous. On est des acteurs, certes, on n'est pas là pour décider. Le club ne nous appartient pas. Elle nous appartient en termes d'image, mais elle ne nous appartient pas. Mais par contre, vous faites votre beurre sur notre dos, parce que nous mettons l'ambiance. Voilà, la meilleure ambiance de France, c'est nous. Vous n'avez quand même pas déconné. On fait partie des meilleures ambiances d'Europe. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment faire les choses correctement, s'il vous plaît, on se met d'accord sur ce que vous voulez faire, on est prêt à vous encourager par rapport à ça, ne prenez pas pour des idiots, clairement. Là, tu as raison, c'est vrai que des joueurs de caractère sont partis, pour des raisons tout aussi obscures, clairement. Ensuite, le problème, c'est qu'on écoute trop un entraîneur qui, visiblement, veut mettre en place un système de jeu qui n'est pas forcément le plus adapté par rapport aux joueurs qu'il a. Tu recrutes d'un côté, tu prends un entraîneur et tu t'aperçois que ça ne colle pas. Pour moi, il y a un problème. À croire que c'est fait exprès. Voilà, donc c'est pas plus compliqué. À la limite, vous savez quoi? Marcelino était resté et que Unai s'en aille, j'aurais pu comprendre à la limite. Et puis après, il s'en va très bien. Sauf que le problème, c'est que tu as des joueurs que tu as mis sur le carreau. Clairement, tu as fait partir des joueurs parce que tu leur as dit clairement, vous ne faites pas partie de mon système de jeu, vous n'êtes pas capable d'eux. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, on a été un petit peu pris pour des idiots et on a fait partir des joueurs qui auraient encore pu apporter au club. Je ne dis pas qu'il faut leur donner des passes de sénateur, je dis simplement qu'on a fait partir des joueurs qui pouvaient encore apporter, ne serait-ce qu'au niveau de la Grinta. Voilà. Et terminé, voilà. Non, mais Sabio, je l'ai écouté, je suis d'accord avec toi, j'ai mal au cœur quand je l'entends. Je suis pas bien, je suis ému. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoute, de toute façon, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Tu vas avoir un entraîneur qui va venir fin de semaine prochaine, parce que de toute façon, c'est le timing, clairement. Ça laissera à peu près 3 semaines à cet entraîneur pour parfaire son équipe, les faire travailler. De toute façon, une grande partie, ils ne vont pas jouer la Coupe de France. Enfin, ils ne vont pas partir, on va dire, faire le championnat de France. Enfin, genre, ils ne vont pas faire la qualif pour la Coupe d'Europe, clairement. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir compter sur certains joueurs. Tu en as d'autres qui sont de toute façon éliminés de la CAN, donc ils ne vont peut-être pas y aller. Tu vas compter sur ces joueurs-là, compte aux autres. S'ils sont appelés, ben, ils sont appelés, tant pis. Mais tu vas essayer déjà de constituer une équipe pour que déjà physiquement ils reviennent. Et après, tu vas avoir un marathon d'à peu près 4 matchs avec lesquels tu vas devoir jouer, et voir 5 matchs. Et ces matchs-là sont décisifs parce que si tu les rates, tu dis au revoir à l'Europa League. Tu peux même dire au revoir à la Conférence League et tu peux même dire au revoir à la tête du championnat et te retrouver vers les entours de 6, 7e, 8e et tu ne vas pas faire guère mieux 5e. Donc voilà. Et la seule chose que tu vas pouvoir viser, c'est la Coupe de France. Le côté classement, en fait, franchement, je suis vraiment au-dessus de tout ça parce que tu ne pourras pas avoir un club sain tant que c'est la guerre comme ça. Pour moi, le côté sportif, c'est vraiment secondaire. Soit l'OM, bah demain, on repartira sur quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, on pourra parler sportif. Bah, moi, je dis même hier, le match, je ne l'ai même pas. Tu vois, je n'étais même pas déçu. Comme je vous avais dit, je sentais vraiment mal les choses. Effectivement, je vous invite au moins 3 buts d'écart. On en a pris 4. Voilà, ça se sentait gros comme une maison. Mais moi, là, le plus important, c'est que là mon club part en coude parce qu'il y a des voyous, quoi. Tu vois, il y a des voyous et c'est pas dans le côté qu'on pense, quoi, tu vois. Et ça je peux pas le supporter, en fait. Je peux pas accepter ça, quoi. Là, je comprends. Ouais, c'est compliqué. Là, ce matin, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour le moment? Le procureur de la République qui parle et qui dit qu'il va se saisir l'affaire, même si Longoria et personne n'a porté plainte.
Je me dis, merde, on part en couille. Mais parce que tu touches aux mineurs. C'est ça le problème. C'est qu'on a, on a commencé à toucher en piquant aux mineurs. Le simple. Mais il a parlé de la réunion. Oui, oui, mais justement. Le problème, c'est que tu, dès que tu touches aux mineurs, dès que tu dis le mot mineur en France, ça y est, c'est trop tard. Là, tu commences, là, tu, c'est même pas une affaire outre que tu vas avoir, bien entendu. Mais tu vas avoir une affaire dans laquelle on va te dire, est-ce que vous, monsieur, vous avez voulu mettre les jeunes filles, je veux dire, à la rue pour qu'elles se changent, histoire de faire de l'exhibitionnisme? Est-ce que vous voulez pas faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y aura pas par hasard quelque chose derrière? Tu vas voir. Ils vont commencer à creuser à partir de là. Ils vont prendre un petit événement qui sort de l'ordinaire pour en faire, pour creuser, jusqu'à qu'ils trouvent autre chose qui n'a rien à voir avec l'affaire de départ, pour ensuite venir enfoncer tout le monde. Clairement, là, le procureur, il va se saisir de l'affaire, il va commencer à enquêter. Ça va être, c'est une histoire. Moi, le problème, c'est que les clubs de supporters ont eu raison de parler comme ça. Maintenant, le souci, c'est que, comment dire, il vaut mieux parfois un bon arrangement qu'un mauvais procès. Mais comment tu peux faire un bon arrangement quand tu sais que ça touche les mineurs? Je crois que, grosso modo, ils sont tirés tous une balle dans le pied, les mecs. Et l'effet boomerang fait que forcément, ça va impacter le club de près ou de loin. Et si jamais, comme je t'ai dit, ils trouvent autre chose qui n'a rien à voir, mais qui peut impacter et mettre à mal le club, eh ben c'est clair que l'année prochaine, ça sera une limite interdiction de recrutement, si jamais il y a un problème lié au recrutement. Interdiction de recrutement pendant 2 ans. Et là, on va se retrouver vraiment avec des joueurs, et tu vas devoir les surpayer, et tu vas te retrouver dans une mouille, c'est pas possible. Voilà, là, c'est ça le risque. C'est que... Vu ce qu'ils donnent et vu ce qu'on donne en salaire à certains, je pense que déjà le surpaiement, il est déjà présent. Hein. Ah ben non, mais là, c'est même plus la peine. Et en plus, déjà, tu vas avoir certains qui vont démissionner, ils vont dire ok, on ne peut pas rester. D'autres, ils vont te dire, bah écoute, on veut bien rester, mais tu vas nous payer un peu plus, on est capable de faire. D'autres, par contre, clairement, ils vont te dire, bon, on est prêt à rester, mais ce n'est pas forcément les meilleurs, donc, puisque personne ne voudra de moi. Voilà. Donc, tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont être jusqu'en 2027-2028. Et heureusement qu'il y en a certains. Heureusement que le contrat dure assez longtemps. Mais là, clairement, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il n'y aura pas eu peut-être un truc derrière? Je ne sais pas. Tu sais, c'est tellement tordu comme histoire que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer derrière. Moi, je ne sais pas. Non, mais Reda, on est d'accord. Hein. Bien sûr que le procureur, moi, c'est pas le fait qu'il lance une procédure. C'est le fait qu'il le fasse, quoi. Tu vois, c'est pas interdit. C'est juste que je dis que la situation, elle est grave, en fait. C'est là que je dis qu'il a le droit de se saisir. On ne dit pas qu'il n'a pas le droit de se saisir. Heureusement. Oui, bien sûr, il a le droit. Oui, il a le droit. Si jamais il s'aperçoit qu'il y a un problème, il a le droit. Voilà. Donc moi, après, il va falloir faire. Moi, de tout le temps que je suis l'OM, et je pense que celui-là qui l'a plus suivi, c'est Tonton, je n'ai pas le souvenir aujourd'hui qu'une direction de club a dirigé l'OM avec les supporters contre eux. Moi, je n'ai pas le souvenir. Mais... Je pense qu'on voit droit dans le mur. Là, si dans cet état-là, s'il n'y a pas des gens qui s'assoient sur une table pour mettre les choses à plat, je ne vois pas comment on va passer une saison correcte. C'est pas possible. Je ne sais pas, vous en pensez quoi les autres? C'était Acariès qui avait eu ce rôle-là. Je ne sais pas si vous rappelez. Ouais, c'est ça. Bon, il faut un médiateur. Là, hein. Ah, il faut un médiateur. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que le problème, ce n'est pas les supporters. Hein. Le problème, c'est. C'est entre Rachid Zeroual et Pablo Longoria. Donc, ça ne veut pas dissoudre les supporters. Ça veut que les supporters soient plus. Zeroual, c'est. S'il n'y a qu'un seul groupe de supporters qui n'a pas signé sa procédure à lui. Quoi. Deux. Mmh. Parce que, ouais, mais attends, Zeroual est. Et qui n'a, c'est pas parce que Zeroual dit quelque chose que ça veut dire que tous les membres des South Sooners pensent comme lui. Bien sûr. Quand il menace, si par exemple, si y a eu des menaces, pas à la réunion, hein, je parle un autre jour, s'il y a eu des menaces, ben c'est pas les South Sooners qui ont menacé. C'est c'est la personne qui a menacé. Donc on peut pas mettre tous les South Sooners dans le même panier. Non, mais... Donc, Longoria non plus. Donc, forcément, il ne peut pas dissoudre un groupe de supporters parce qu'il y a un mec qui l'a menacé. Non, la seule solution, c'est qu'il démissionne. Moi, je ne vois pas dissoudre les clubs de supporters. Je pense que c'est impossible à Marseille. Voilà. Non, ils ne vont pas dissoudre. La seule fois qu'on a eu un club de supporters qui a été, entre guillemets, dissous, en tout cas, qui a été viré du stade, c'est parce qu'en fait, il y avait une histoire de billetterie, d'ailleurs. C'était les Yankees. Et encore, je ne connais peut-être pas toute l'histoire. Donc, forcément, je me rappelle seulement Yankees billetterie égale merci, au revoir, terminé. On ne vous donne plus quoi que ce soit. Là, le problème aujourd'hui, c'est que
cette histoire-là, on a engendré une autre, qui en a engendré une troisième, qui engendre maintenant qu'un procureur va commencer à fouiner un peu partout. Et je te dis, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément, quoi dire, couvert sur tous les points. S'il y a un petit truc, même le truc le plus stupide qui soit, le truc le plus minable, qui normalement ne devrait pas, quoi dire, prendre des proportions, eux, ils vont l'agrandir. Les médias vont l'agrandir. Putain. Les Antilles marseillais vont aussi l'agrandir. Certains Parisiens vont aussi peut-être l'agrandir, etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver comme des idiots à dire, voilà, votre club est interdit de recrutement, votre club va avoir une amende, votre club est sanctionné d'eux, parce que, et on va avoir tous les ennuis du monde, simplement à cause d'une petite broutille. Voilà, parce et ça que va finir en plan Longoria. Oui. Les amis, excusez-moi, il y a Jérémy qui nous a rejoint, je voudrais qu'on lui passe le bonsoir. Salut Jérémy. Ça va ? Salut Jérémy. Voilà, tranquille. Bien. Pour terminer rapidement, le seul truc qui va y avoir, c'est la dernière chose qu'il va y avoir, c'est que simplement, tu as le McCourt qui voulait vendre le club à 600 millions, mais avec cette histoire, tu crois qu'il va récupérer combien ? Voilà le souci. Voilà le truc que je vois gros comme un camion. Là, c'est le début d'un enchaînement de fous furieux. Voilà, je passe le ballon. Vas-y Jérémy. Écoute, moi je prends en cours. Hein. Hier soir, j'ai pas pu voir le match parce que j'étais trop crevé et puis je me doutais un peu de la frotter, donc j'ai pas voulu me faire encore plus mal par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que bon, c'était limite prévisible. Hein. On a fait match nul contre une Ajax d'Amsterdam, d'ailleurs, qui risque d'avoir match perdu sur tapis vert. Bon, ça c'est un autre débat, mais bon voilà. C'est autopsie d'un club qui va mal. Comment guérir le club? Là, je sais pas. Là, vraiment, on est vraiment. Je sais pas comment faire. C'est vraiment un truc. On ne sait pas tout ce qui se passe non plus au sein du club. Est-ce que des joueurs ne sont pas vraiment très, très affectés? Parce qu'on voit quand même un Rongier qui n'y est plus du tout. Même contre l'Ajax, je crois que c'est son plus mauvais match que je l'ai jamais vu faire. C'est un problème sans nom. Là. Aujourd'hui, l'autopsie, tu peux la débattre, tu peux la commencer d'où tu veux, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Il y a un gros chantier et je suis d'accord avec Sim, c'est que là aujourd'hui le vrai problème il est je sais pas où, mais il y a un vrai problème. Il y a des langues qui se délient. Moi je ne suis pas à Marseille, je ne sais pas si c'est vrai. Comme je dis, moi j'ai pris un petit peu l'autre fois comment ça s'appelle la chaîne cryptée avant le match contre l'Ajax, et il y a quelqu'un qui parlait de certaines choses un petit peu obscures au sein du club. Donc est-ce que Longoria n'a pas voulu signer la fin de la récréation de personnes au sein du club qui se gavent, et puis mettre des gens maintenant dans une vraie structure où ben voilà, vous travaillez avec des vrais agents au lieu que l'argent ou des trucs comme ça partent. Je sais pas, c'est juste voilà, mais aujourd'hui il y a quelque chose dans ce club et on le saura peut-être jamais. On le saura peut-être jamais, j'espère que ça va se guérir, mais là le seul qui pourrait, et même si je sais qu'il ne viendra jamais à l'Olympique de Marseille, qui pourrait réconcilier, fédérer ses Zidane, mais il ne viendra jamais dans un tel cirque. Et maintenant, quel entraîneur renommé, voilà, parce que maintenant, il faut arrêter de dire on est capable de donner des 750 000 à un Aubameyang. À un moment donné, il faut aussi lâcher l'argent, même si ça va être difficile, à un entraîneur de renom. Tonton, l'autre fois, je l'entendais parler de celui qui s'était fait débarquer de la sélection allemande, je crois, Hansi Flick. C'est ouais. Ça que tu parlais ouais, ouais. De lui, de calibre comme Nagelsmann, de Zidane, de Conte et autres. C'est des 800 000 par mois. Mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas passer par le salut là? Et puis voilà, arrêter un peu. Mais bon, ça, ça va être difficile actuellement avec les finances de l'OM. Voilà, mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que Longoria ne voulait pas structurer le club comme un vrai club et que ben, certains dans les associations de supporters ont dit ah, ben, on va peut-être pouvoir se mettre dans un peu moins dans les poches, quoi. Bah, écoute, je ne sais pas si ils vont se mettre au moins dans les poches, mais une chose est sûre, avec tout ce que tu as dépensé,
il ne risque pas de rester grand-chose. Hein. Donc, un homme met des cailloux, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Façon de parler, pour dire simplement que c'est… Voilà. Après, le problème, après, c'est que là, il vise la mauvaise cible. Dans les associations, crois-moi bien que la brigade financière aurait déjà tombé dessus. Regarde les Yankees, c'est en cours. Hein. On va pas dire des choses dans lesquelles la justice ne s'est pas encore discutée, mais il y a quand même des choses graves sur le procès des Yankees avec la procédure. Je l'entends, ça. Mais en fait, les griefs qu'ont fait les supporters, ça n'a rien à voir avec comment fonctionnent les associations de supporters. Bien sûr, moi j'ai connu les MTP au début des années 2000, j'ai même rencontré son président avec qui j'ai mangé à Marseille. Bon, il a disparu parce qu'effectivement il y avait des trucs obscurs, mais tu sais, petit à petit, quand tu baignes dans ça, il y a un moment tu tombes. Donc Jérémy, tu parles de gens qui sont là et qui sont responsables de groupes de supporters. Et ça se trouve, quand ils étaient là, tu n'étais même pas né, quoi, tu vois. Je pense que c'est… C'est peut-être des pions qui, avec d'autres personnes encore derrière. Hein, tu sais, aujourd'hui, voilà, je cherche à avoir des éléments de réponse. Voilà. Et voilà, aujourd'hui… j'essaye de comprendre, de me dire qu'on est un club. Ah, ok, on se faisait chier avec Marcelino. Ok. Ok, on a perdu des matchs, on a perdu des points sur des matchs qu'on ne devrait pas. Ça, on est tous d'accord. Mais est-ce que c'était vraiment le moment de tout faire péter quand tu joues l'Ajax, quand tu joues le PSG? Voilà. Est-ce qu'ils ont été pour faire péter? Ils ont juste dit qu'il y avait des problèmes dans le centre de formation, qui ne comprenaient pas la politique sportive des trucs. Voilà ce qui a été dit. Ça s'appelle faire péter, ça, pour toi? C'est la réaction du directoire et de l'entraîneur qui est disproportionnée. Moi, de ce que j'ai entendu de cette réunion, c'est la réaction à côté qui est disproportionnée. Je veux dire, si c'est l'entraîneur qui est parti, l'entraîneur n'a pas été menacé. Ils n'en ont même pas parlé 10 secondes de l'entraîneur. Non, mais je ne sais pas. Ils ont juste dit que le niveau de jeu. Donc, si c'est parti en couille, c'est pas la faute des supporters. Les supporters, ils ont défendu les minots. Ils demandent des explications sur des choses qui sont surprenantes et que même vous, aujourd'hui, vous vous posez des questions. Et les gars, on est menacé de mort et c'est inadmissible ce qui s'est passé. Oh, vous n'avez pas qu'il y a un décalage là? Non, il y a un décalage, on est d'accord par rapport à ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est pas ça qui m'embête, parce que de toute façon, c'est clair, quand il va y avoir enquête, alors déjà, il faut se dire une chose. Déjà, Longoria a dit la chose suivante, je vais voir mes avocats pour voir s'il peut y avoir dépôt de plainte. Déjà, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait de dépôt de plainte. C'est pas ça qui m'inquiète le plus, encore une fois. Ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, tu as un procureur qui se mêle de ça. Le procureur se réserve le droit d'ouvrir une enquête sur les propos et les sujets qui ont été indiqués. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est que si jamais il y a un truc tordu, de près ou de loin, concernant de près ou de loin les recrutements, la gestion des jeunes, ou je ne sais quelle autre histoire qui peut forcément impacter la gestion du club, et que ça éclabousse le nom de l'OM, c'est clair et net, on va se prendre des sanctions exemplaires, et voire même très graves. C'est tout. C'est ça la problématique. D'une histoire, on va dire, banale, qui, en tout cas, à mon sens, est quand même importante à signaler, la réaction disproportionnée d'une direction qui, visiblement, n'a pas l'air d'être tout simplement, elle ne maîtrise pas. Tout simplement, on a une direction qui ne maîtrise rien du tout, en vérité. En tout cas, leur réaction n'était pas maîtrisable. Et ben, ils se sont retrouvés maintenant à créer un plus gros bazar qu'il en était. Voilà. Alors qu'on aurait pu simplement dire, OK, on n'est pas d'accord sur le sujet, On va se réunir un autre jour parce que visiblement c'est trop, on ne peut pas gérer ça, et sachant qu'il y a des échéances sportives importantes, je vous promets, clairement ils auraient dû faire ça. Bon, moi, si j'étais politicien dans le club, c'est ça que j'aurais fait. J'ai dit, bon, écoutez, cette fois-ci, c'est moi qui m'engage, on va prendre un médiateur exprès, un style Louis Acarias, n'importe qui, je m'en fous. Voilà, on se donne rendez-vous au lendemain du match du Havre, après le match, après la victoire prochaine du Havre, et on va discuter de tout de A jusqu'à Z. Et d'ici. Et je m'engage à la chose, fin de semaine, on règle tout ça. Et si vraiment vous pensez qu'il y a vraiment un souci, vous avez le droit de déposer plainte. Voilà. Là, le problème, c'est qu'ils sont partis dans un délire de fou furieux. Déjà, Rivalta, pour moi, c'est il ne sert à rien. Le mec, c'est limite un clandestin au sein de la direction. C'est vraiment... Voilà, comment il s'appelle l'autre?
il vient à la commanderie. Tu vois pas, ce mec-là, il ne serre même pas la main à Olmeta. Quand il vient avec deux minots à la commanderie, le gars, il dit bonjour au gamin, il ne dit pas bonjour à Olmeta. Mais vous êtes. Non, mais ça, à la limite, il ne connaît pas, Tant pis, moi, personnellement, c'est une institution, Olmeta, mais si lui ne comprend pas, ça se confesse. Tu dis bonjour à la personne. Tu dis bonjour à la personne. Oui, bien sûr, non, mais. Ça, tu ne vas, pas te prendre la tête simplement parce que quelqu'un ne dit pas bonjour. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que derrière tout ça, tu as des gens qui ont peut-être des choses à cacher. Tu sais, c'est très simple. Tu prends par exemple Paris, par exemple. Tu sais pertinemment que la direction du PSG a des choses à cacher et il y a pas mal de pots de vin par-ci, par-là qui se font, même si c'est des rumeurs. Là, on est en train de faire de la diffamation pour le moment. Mais pour te dire… Les mecs, ils ont plein de trucs à cacher. Pourtant, ils essaient d'être irréprochables sur tout le reste pour éviter que quelqu'un s'amuse à dire bon, bah, il y a des racontars, on va pas se casser la tête. Mais par contre, si quelqu'un accuse et l'autre dit que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais que derrière, il y a des éléments de preuve, parce que c'est ça le problème, c'est l'élément de preuve qui a posé le problème, et bah, directement, le procureur se dit bah, je me réserve le droit de vous interroger pour comprendre ce qui se passe. Voilà. La famille, on va passer le bonjour à Abda. Salut Abda. Abda. Oh, Abda. Salut Abda. Salut, ça va, merci, ça va bien. Ça va bien, bien, mais voilà, sportivement, ça va pas top, mais voilà. Alors, ce match. Vous en avez déjà parlé tous, hein. Je ne vais pas rajouter quoi que ce soit, puisque vous avez rajouté. On est allé là-bas, les couilles entre les jambes, comme on dit, mais sans sortir quoi que ce soit. On les a laissés, c'était de côté, on n'a rien donné. On s'est fait marcher dessus. Il n'est pas tant con. Faudra avoir beaucoup de choses pour moi. Parce que faudra changer ce mentalité. Cette mentalité, Green Tie, ils n'ont pas. Faudra qu'ils travaillent là-dessus, savoir où c'est qu'ils sont, dans quel club ils sont. Parce que pour moi, voilà, ils ne représentent pas l'OM comme on voudrait qu'ils le représentent. Peut-être dans d'autres clubs, il y avait peut-être des gens qui étaient là pour les appuyer, pour montrer d'autres choses. Mais franchement, là, on n'a pas eu de révolte, rien du tout. En carton jaune à 70e, dans un classico, ça prouve que tu n'as pas fait quoi que ce soit pour les empêcher de faire leur vie, parce qu'ils ont fait leur vie pendant 90 minutes. On a tenu du temps, par une ou deux occasions, mais ouais. Je trouve qu'on s'est fait bouffer partout. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, j'aimerais rebondir sur ça. Moi, il y a un petit truc qui m'a gêné. Je ne sais pas votre avis, mais je vous pose la question. Est-ce que vous, ça ne vous choque pas d'entendre une déclaration de Gigot à la fin du match? On n'a pas sorti nos couilles. Il l'a dit, hein, clairement. Hein, c'est lui qui l'a dit. Hein, et on n'a pas respecté le club. Expliquez-moi, il y a un match, ça dure 90 minutes et il y a une mi-temps. Pourquoi, à ce moment-là, dans le vestiaire, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, mais il n'y en a pas un qui tape du poing sur la table. Oh, les gars, on leur rentre dedans. Tant que tu es déjà à 2-0. Ok, tu t'en prends. Peut-être que t'en aurais pris 5, t'en aurais pris 6, mais montre quelque chose. Mais là, il n'y a personne qui a tapé du poing sur la table dans ce vestiaire. Et c'est ça, moi, qui me gêne. C'est ce que tu dis, Abda, c'est que cette équipe manque de leaders et tu as des joueurs qui sont perdus. Avis de recherche de Rongier. Rongier, l'exemple même. Mais il n'y en a aucun qui tape du poing sur la table. Je ne sais pas, mais moi, ça me choque d'entendre ça à la fin d'un match. Ah ouais, c'est quand t'as fini que tu te dis, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est pendant le match qu'il fallait prouver. C'est pas à la fin qu'il faut vous dire, on n'a pas fait ça. Et je dis pas qu'il y avait moyen de les gagner, mais au moins montrer un tempérament, montrer qu'on pouvait les déranger, qu'on pouvait les bousculer, montrer qu'on était là. Voilà, et c'est ça qui est le plus important. Et moi, c'est ça qui m'a manqué énormément hier. On s'est fait prendre de c'est même pas des jabs, on a pris des crochets, des uppercuts, et à chaque fois, ce qu'on a fait, on n'a même pas mis la garde, on a baissé la garde, on a failli dans tous les domaines, mais vraiment dans tous les domaines. Comme j'ai dit, s'il n'y en a qu'un seul qu'on peut mettre dedans, c'est Klaus, uniquement Klaus, et ça fait déjà longtemps que c'est que lui depuis le début de la saison. Et ça fait pauvre, hein. Ça fait vraiment pauvre. Paul Lopez, qui n'est pas capable de mettre à quatrième, mais franchement, il jouait gardien moi, pendant 3 ans. Quand j'étais ado, à un moment donné, j'ai joué 2 ans et demi, je crois. Et franchement, tu vois, tu te mets à ton poteau,
Tu vois, tu dis pied droit, pied gauche, il peut la mettre là, ben t'en mets un autre, c'est tout. Ouais, il pensait qu'il allait centrer, mais qu'il centre ou qu'il centre pas, c'est pas le problème. Il aurait pu centrer de l'autre côté, son pied est rentré, derrière le mur. C'est des bêtises, enfin c'est des bêtises, c'est des erreurs, c'est même pas des bêtises, c'est des erreurs qu'on continue toujours de faire. Toujours de faire, on dirait que les joueurs, ils sont là, ils jouent, mais on sait pas s'ils sont concentrés, on sait pas s'ils sont investis. Ou qu'il la joue trop légère et ouais, c'est joueur de foot, mais professionnels. Pour certains, je ne sais pas s'ils sont vraiment professionnels pour l'OM, pour moi. Pour d'autres clubs, peut-être, mais pour l'OM, je ne pense pas qu'ils aient la mentalité. Pour beaucoup. Et là, c'est une erreur de casting qu'on a fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Aubameyang, de toute façon, je le savais depuis le début de la saison que ça n'allait pas être le joueur qui allait faire le révolteur, qui allait être le leader. Ça, c'était sûr. Mais je pensais qu'au moins, voilà, avec les anciens qu'il y a là, qu'il y a quelqu'un qui allait bouger, il verrait tout ronger. Ils n'ont rien dit. Ils se sont laissés fracasser. Mais fracasser tout le long. À part aller une ou deux fois sur des fautes, mais vraiment gentillette. Ouais, ça manquait. Ça manquait. Il n'y a pas eu de contact. Combien de fois il y a eu des groupements pendant les PSG-OM, enfin, les FC Boulogne-OM. Des groupements, ça chauffe et tout, etc. Sur des décisions, ça aurait dû chauffer plus. Eh ben non, rien, rien. On a fait que subir. Mais il ne faut pas oublier Abda, je l'ai dit dès le début, et je le dirai toujours, personne ne me fera changer d'avis, il ne faut pas oublier qu'il y a une très grosse différence. Tu vois, moi, j'ai parlé avec un joueur aujourd'hui qui a joué à l'OM et qui a joué au Bois de Boulogne. Je n'arrive pas à dire son vrai nom, il m'a donné raison. Je l'ai appelé pour que je ne pouvais pas commenter son commentaire, je ne sais pas bien écrire. Il s'appelle Stéphane Del. Momo le sait, Stéphane Delmas. Voilà, je l'ai appelé. Brave personne qui m'a appelé, qui m'a donné raison. J'ai dit, pourquoi lui, Stéphane Delmas, voilà, qui a joué à l'Inter aussi. Il m'a donné raison. J'ai dit, écoutez-moi bien, il y a une très grosse différence. Quand l'OM, dans les années 90, 85, 90, quand Tapie a pris l'OM, et qui avait de la Gardère, Deniso, tout ça. Ce n'était pas une grosse différence. Ça, tu pouvais dire les classicaux. Maintenant, tu peux plus dire les classicaux. Tu as une énorme différence. Ça veut dire que moi, j'habite au rez-de-chaussée et le Bois de Boulogne, il habite là-bas au 12e étage. Regarde la différence qu'il y a. Non, mais c'est plus un président, c'est un pays qui est derrière le Bois de Boulogne. Non, mais ils arrachent tout et je lui dis... Depuis quand ils ont gagné les titres, le Bois de Boulogne? Moi, je dis le Bois de Boulogne, il a rien dit, tu vois. Je dis, depuis qu'ils gagnent les titres, le Bois de Boulogne, depuis qu'il y a le Qatar, ils avaient deux, trois titres avant, la Coupe de France, le championnat, et depuis 2011, ils remportent tout. Mais national, pas international. Et tu vois, moi, je préfère mieux perdre, tu vois, 10-0, et qu'on mouille le maillot, que perdre là, qu'on n'a rien fait. C'est nous qu'on a donné le match. 80% de possession de Bois de Boulogne, ils ont joué comme un entraînement. Et je l'ai dit au début de la vidéo, ils ont joué l'entraînement. Comme c'était l'entraînement, ils se sont amusés. C'est pas qu'ils ont mieux joué que nous. C'est nous qu'on a abaissé les bras. On n'a pas mouillé tout ça. Et ils se sont amusés, ils se sont régalés. Ils ont fait à droite, à gauche, tout ça. Ah non, il ne faut pas arrêter. Et ce Paul Lopez, après je laisse la parole. Ce Paul Lopez, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. On a joué comme des poussins. Des poussins, je te prends les juniors de l'OM, on aurait fait match nul, on aurait gagné peut-être. Mais il ne faut pas arrêter, Paul Lopez, arrête-toi. Son mur qui fait. Ah non, je ne peux plus le voir. Moi, quand il y a lui dans les cages, je me cague dessus. Maintenant, je laisse la parole. Après, de toute façon, tonton, c'est bien, c'est sûr que l'écart de budget, voilà. Le budget de l'OM cette année, je crois que c'est 72 ou 73 millions de transferts. Quand le Bois de Boulogne, c'en est 300, ils font 4 mercato quand nous, on fait 4 mercato quand eux, ils en font un. Bien sûr que tout cet écart, on en est conscient et faut arrêter d'appeler un chien un chat. Regardez les joueurs qu'ils ont, les recrutements qu'ils ont fait. Ils ont l'attaque quasiment de l'équipe de France. Ils ont l'arrière-gauche limite de l'équipe de France. Ils ont des joueurs internationaux à tous les postes. Bien évidemment que c'est normal qu'ils nous battent. C'est logique que maintenant, depuis 10-15 ans, on espère, on se dit que quand on fait un nul,
on fait un bon résultat. Et quand on les a battus deux fois en 15 ans et après, voilà. Mais c'est normal aujourd'hui. Mais avant, je veux dire que je suis d'accord avec toi. Moi, à 2-0, t'en prenais 6. Et je veux dire, et que tu aurais montré quelque chose. OK. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est moi, je voulais dire, après, je laisse la parole. Moi, je voulais dire, vous pouvez regarder les reflets, les personnes qui sont dans le chat. Je l'ai dit il y a 10 jours. Je l'ai dit il y a 10 jours. Allez voir les reflets des lives que j'ai dit. J'ai dit, on va se faire démonter. On va se prendre un carton contre le Bois de Boulogne. La seule chose que j'ai appris quand on a fait le match nul contre l'Ajax, là, ça m'a donné un petit peu d'espoir. Je dis, peut-être, tu vois, je suis marseillais, c'est pas pour rien. On va peut-être tirer un match nul, je suis de suite. Mais ils m'ont dégoûté. Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Ils m'ont dégoûté, ils m'ont écœuré. Et moi, je le dis, personne ne va m'en empêcher. Moi, je dis, je suis supporter de l'OM depuis 1965, depuis que je suis jeune, et j'allais au stade. Il y en a qui ne connaissent même pas. Au stade de Louis-Vonne, dans les années 60, avec mon grand-père. Alors, écoutez-moi bien. Et toute personne à Marseille, les personnes, les anciens, on a notre mentalité. Il y en a que moi, j'étais minot, j'écoutais les anciens. Eh bien, ça ne marchait pas, ils critisaient. Qui que ce soit, quel joueur que c'était, même si c'était le champion du monde, ils critisaient. Ils jetaient même... On avait des petits coussins, là, pour que dans les virages nord, il y avait des bétons, tu le mettais sur le cul, c'était aller l'OM. Et après, on te dit, oui, c'est l'arbitre, tout ça, mais il ne faut pas chercher des excuses toujours sur l'arbitre. C'est nos joueurs. C'est pas l'arbitre. L'arbitre, il va te faire une ou deux fautes. Oui, je suis d'accord. Hein, mais il n'y a pas que l'arbitre. Et quand tu jouais à 10 contre 11, comme on a fait contre Nantes et Metz, tu n'arrivais pas à gagner. Comme l'année dernière, à 10 contre 11 à Marseille contre le Bois de Boulogne, tu sais, comme avec les coussins qui tombaient sur le stade, des coussins en paille. Hein, j'avais tous les stades qui étaient juste les coussins sur le stade, comme les gladiateurs qui n'étaient pas contents. Et après, on te dit, oui, mais il faut arrêter. 10 contre 11, tu n'arrives pas à gagner. Et il faut arrêter. Ça veut dire que, oh, ne cherche pas d'excuses, le joueur, tout ça. L'entraîneur, il a de la faute. Mais qui l'entraîneur, il a de la faute du système, tout ça. Hein? Mais qui joue qui est sur le terrain? C'est pas l'entraîneur, c'est vous. Et si vous n'avez pas, là c'est marqué à Marseille, droit au but. Si vous ne voulez pas pour mouiller le maillot, alors ne venez pas à Marseille. Voilà, maintenant je laisse la parole à tout le monde. Bah, attends, tonton, je vais simplement te mettre une pièce dans la machine. Ouais. Là, je ne sais pas si vous avez vu les notes qu'a donné l'équipe pour. Ça se place de commentaires, hein, franchement. Vas-y, alors, vas-y, dis-le, ça m'intéresse, dis-le, Slim. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous donne les pires notes ou je vous donne. Bon, allez, on va faire simple. 3. Fais-nous la compo. Ouais. Lopez 3, Klose 3, Mbemba 3, Gigot 4, Belhardi 4, Lodi 3, Verretou 4, Unai 4, Rongier 2, Aubameyang 2, Vitinha 4, Abandonado 3, note générale 3,1. Et attends, parce qu'il y a aussi Harit qui est rentré, 2. Alors là, pour le coup, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Et Ndiaye, 2. Là non plus, je n'ai pas très bien compris pourquoi. J'aurais au moins mis 3 ou 4, au pire des cas. Et bien entendu, comment il s'appelle, Correa, ils n'ont pas noté parce qu'il est rentré trop tard, tout comme Maïté. Voilà. Donc en gros, ça veut dire grosso modo qu'on était une bande de U4, pour ne pas dire autre chose. Donc vraiment des petits poussins, comme tu l'as dit si bien dans le message, tonton. Ouais. Et tu vois un peu du côté parisien ce qu'ils ont. Alors je ne vais peut-être pas tous les noter, mais grosso modo, la meilleure note, c'est Hakimi, 8, Barcola, 7 et Ugarte, 7. Et Colomboigny, 7. Tous les autres sont à peu près entre 6 et 5, 5 étant le gardien. Et Luis Enrique, 9 sur 10. Match parfait. Voilà. Ouais, tu sais encore, ils ont été gentils de donner 3 dans la note 3. Pour moi, hein, mon opinion personnelle. Ah ouais, non, bien sûr. Mais bon, quand tu sais qu'Aubameyang, il a 2, ainsi que Rongier, 2, et que tu sais que tu as Mbemba, Verretou, moi j'aurais Verretou, j'aurais pas mis 4, hein, j'aurais mis 3 aussi, hein, clairement. Voilà, donc clairement, il y a certains joueurs qui sont surnotés plus que d'autres. D'autres qui ont été sous-notés. Pour moi, tout le monde méritait 3. Même India et Harit, par contre, j'aurais mis 3 à Verretou. Hein. Et... Mais bon, moi, voilà, je suis sauvé. Je te dis franchement, j'aurais mis à tout le monde un 0. Voilà.
Maintenant, celui-là qui n'est pas, par exemple, je dis, celui-là qui, par exemple, il est, et voilà, tout ça. Moi, je suis comme je suis. Personne ne m'en fera changer. Tu vois, je te dis, Sambin, moi, je ne suis pas comme dans les autres là, et oui, chercher des excuses. Là. Non, non. L'OM, hier, elle m'a fait honte. Elle m'a déçu. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Elle m'a déçu. Elle m'a fait honte. Moi, j'en attendais rien, moi. Moi, j'en attendais rien du tout, en vrai. C'est ça le pire. C'est là le pire. Mais ça m'a, je te dis franchement, je voulais même partir de couper la télé. Moi, je te dis une chose. Ouais. Moi, j'aime l'OM. Même qu'ils ont perdu, qu'on a perdu, je serai toujours derrière l'OM. Mais moi, je dis ce que je pense, comme les anciens. Comme dans les années 60, 70. Ça, c'est les anciens qui parlaient comme ça. Moi, je connais ça. Après, je suis plus parti. Je suis parti dans les années 80, je ne connais plus l'ambiance qu'il y avait au stade. Mais quand il y a au stade Vélodrome, tout le monde critiquait. Moi, je te parle de mon époque à moi, maintenant, je ne sais pas. Mais quand... Maintenant, je crois que c'est... Je crois, après, je vous laisse la parole. Moi, je crois que c'est maintenant une mode. C'est Olympique de Marseille, supporter ici. Oui, on n'a pas le droit de critiquer. Non, non. Moi, à mon époque, on critiquait tout ça qui se passait. Tu jouais bien, eh bien, on t'appréciait comme une idole, comme un roi du ballon. Tu jouais mal, eh bien, qui que ce soit, le plus grand nom du monde, eh bien, on te bombardait. Ça, c'est Marseille. Ça, c'est Marseille. Et moi, hier, moi, je critique l'OM, mais j'aime l'OM. J'aime l'OM à ma manière. J'aime ma ville. Je suis fier de ma ville. Je suis fier. J'allais te parler en allemand. Je suis fier. Je suis fier de ma ville. Je suis fier de mon club. Je suis fier de mon accent. Et je ne renierai jamais ça. Maintenant, moi, je ne veux pas faire comme maintenant les nouvelles personnes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent même pas l'Yvonne. Qu'est-ce que c'est l'Yvonne? Qui vont te dire oui, si, là. Non, je ne veux pas. Moi, je veux être vraiment comme j'étais et comme les anciens, j'écoutais quand les anciens ils critiquaient. Voilà. Ça veut dire, ils jouent mal, tu critiques, ils jouent bien, tu les adores. Maintenant, même que tu les critiques, je les aime. Je les adore aussi. Mais je veux dire mon opinion. Je ne veux pas dire oui, ça, chercher une excuse. Non, la petite mouche. Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole. Moi, je veux juste par rapport à ce qu'a mis Kader tout à l'heure, 100% d'accord avec Kader. Effectivement, moi, j'ai pioché, j'ai cherché plein de personnes qui ont parlé sur ça. Effectivement, tout ce qu'a dit Cataldo, c'est tout le monde qui était présent, à part le directoire, tout le monde dit exactement ce que Cataldo a dit là. Je suis d'accord, Kader. 100% d'accord avec les infos que tu donnes, c'est exactement ce que tout le monde dit, à part le directoire. Voilà, juste par rapport à Kader, excusez-moi. Je voudrais répondre en fait à Tiefada. Actuellement, Tiefada, je sais que Vitinha, c'est pas du tout le bon joueur qu'on a pour le moment, mais c'est peut-être celui qui se défonce un petit peu plus que les autres. Voilà. Ah, moi, je pense que ça peut être un très bon joueur même. Hein. Oui, ça peut être un bon joueur, mais il se défonce par rapport à d'autres. Alors, c'est sûr qu'il a été surpayé, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que voilà. Il peut peut-être s'améliorer si on lui donne l'occasion de le faire. Moi, je pense qu'il peut faire le boulot que Sanchez faisait. Moi, je pense qu'il en est capable. Non, je crois pas. Par contre, il peut être un attaquant, on va dire, de pointe, comme on l'espère. Le seul truc qu'il faut, c'est un entraîneur qui soit capable de le canaliser et qu'il apprenne vraiment à être dans le sens du jeu. Il faut qu'il joue, là. Il faut qu'il soit installé, en fait, ce mec-là. Bah, c'est ça. Il faut qu'il joue. Bah, oui. Il faut qu'il enchaîne. Oui, c'est clair. Pour moi, c'est lui qui a le plus de qualité là, dans ce qu'on a devant pour la finition. Qui, Vitinha? J'ai pas entendu le nom, excusez-moi. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Mais bien moi, sûr, franchement, j'ai vu qu'il y a quelque chose à ce joueur. Moi, j'ai vu. Moi, quand je le vois, il me fait plaisir, moi. Il est jeune. Voilà. Ouais, mais comme il s'appelle. Maintenant, moi, je vous le dis franchement, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est mon avis personnel, hein, je ne sais pas. Je peux faire mieux Sanchez que Aubameyang. Oui. Ah, oui. Moi j'aurais aimé Sanchez et Vitinha, les deux. Ouais. Les deux ensemble. Ah. Ils ont la niaque, tu vois, c'est ça en fait qu'il faut. Mais les gens ils préfèrent des noms. Ça, on ne dit pas que Vitinha a changé. On sent que dans Vitinha il y a un réel potentiel. Essayez de comprendre ce que les gens racontent. Il a été clair. Il a dit qu'on sent des qualités. Voilà. Il est arrivé, ça fait pas un an, ça fait même pas un an qu'il est là. Ça fait même pas un an et en plus il a joué quoi, trois fois quatre fois sous Tudor et ensuite là il a commencé à être plus ou moins titulaire depuis le début de la saison. Donc s'il te plaît.
Mais rappelez-vous, voilà. quand tu dois, moi, les jeunes, je leur laisse du temps. Quand tu dois, il a fait une doublée, après, il te le met sur le banc des remplaçants. Tu casses la morale, hein, ça, c'est mon opinion personnelle. L'année dernière. Il a quelque chose, ce mec. Même s'il rate à 1-0, la tête peut faire les choses, mon ami. Va montrer l'exemple, si tu es capable. C'est vrai que Vitinha, on sent que. On sent qu'hier, on sent un potentiel. Mais la tête qui doit égaliser à un partout, effectivement, elle te change beaucoup de choses. Mais hier, ce qui est décevant, c'est le collectif. Moi, je ne veux même pas donner de notes aux joueurs. Pour moi, ils sont innotables. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un mec faire ça, là? C'est triste à dire, hein, mais il y a un centre et un mec qui est là qui met la tête. Oh, ça faisait des... Combien de matchs on n'avait pas vu ça? Ça, c'était... Avant, c'était la passe à 10, tout ça. Là, c'est un changement de système. Et c'est la première fois où on trouve une connexion, là. Après, tu peux pas jouer ce type de match et d'avoir cet impact physique sur ce type de match. C'est pas possible. Et je pense pas qu'à Bardonado, ça soit l'entraîneur qui leur a dit, ouais, les gars, mollo, on y va mollo. Je pense qu'à Bardonado a dû les remonter pour leur dire, les gars, ça va être la guerre sur le terrain. Et quand les joueurs sont arrivés sur le terrain, ils ont tous perdu leur shot, personne n'a eu des couilles sur ce match-là. C'est ça qui m'attriste. Moi, c'est ça qui m'attriste. T'avais Klaus qui a un petit peu essayé de réagir, un petit peu Vitinha, et c'est tout. Si Gigot, un petit peu. Mais c'est tout, trois joueurs. Quoi. Trois joueurs, ils ont essayé par moment, mais ils étaient seuls. Ils viennent deux fois chez nous, ils marquent deux buts, putain. Ils étaient seuls, les pauvres. Unai, il n'a pas été dégueulasse. Allez, quatre joueurs. À 2-0, on a autant de tirs et autant d'occasions qu'eux. Merde. Il y en a quatre joueurs qui ont voulu jouer, en fait. Moi, c'est ça que je trouve grave. Merde, les gars, vous jouez un match plein, une pelouse nickel, un classico. Putain, si t'as pas envie de jouer ce match-là, si tu mets pas tes couilles sur ce match-là, tu vas les mettre quand? Contre Reims, contre Lorient, contre... Moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, quoi. Putain, tu portes un maillot, tu portes une histoire sur toi, quoi. Putain, mais je m'en fous de perdre contre le PSG, effectivement, ils sont bien au-dessus de nous. Mais montrez-moi autre chose, quoi. Putain, je sais pas. Oui. C'est ça, c'est surtout dans l'envie. On a une histoire, notre maillot. Même si tu as l'envie, que tu n'as pas le niveau, tu prends des cartons, il y a des fautes, il y a des trucs. Là, il n'y avait rien, il n'y a même pas eu ça. Ils nous ont pris pour leur pute. Putain, même le mec à la fin avec le micro, il prend le micro, il nous insulte dans le micro. Forcément, il nous pisse dessus pendant 90 minutes. Bon, écoutez, ça limite, c'est pas très très grave. Hein. De toute façon, il va y avoir la justice. Mais ils ont pissé dessus sur le terrain. Bien sûr que c'est grave. Je sais. Donc, on va pas se casser plus que ça. Hein. Si on se casse la tête avec cette prestation, on va jamais se la casser. Hein. C'est clair. Mais pas comme ça. Quoi. Écoute, de toute façon, rien ce qui se passe. Aujourd'hui, maintenant, le match du PSG est passé, on s'est pris une tollée, on est revenu sur terre, on a certains joueurs, on comprend qu'ils n'ont pas du tout le niveau. Maintenant, il faut penser au prochain match, celui de Monaco. Dans le cas présent... Non. Ouais. Oui, vas-y, excuse-moi. Dans le cas présent, il va falloir déjà constituer un groupe qui puisse jouer contre Monaco, qui est quatrième ou troisième, je ne sais plus, qui est quatrième. Du championnat et qui a, on va dire, un effectif plutôt intéressant, plutôt, on va dire, équilibré, avec des joueurs qui sont capables de marquer à n'importe quel moment, avec un Ben Yedder qui est tout aussi bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir donc constituer une équipe qui puisse tenir le choc face à leur attaque, à leur milieu de terrain qui est assez costaud, et il va falloir aussi constituer une attaque qui puisse être potable. Ça veut dire aussi, dans tout ça, tu vas devoir sélectionner des joueurs dans ton groupe qui vont devoir tenir quasiment 90 minutes, car tu as 4 jours plus tard d'autres échéances qui vont arriver, notamment l'Europe, et tu sais qu'actuellement, la moitié de ton équipe n'est pas du tout, qualifiée dans le sens où ils ne sont pas du tout bons. Voilà. Ils ne sont pas bons pour jouer ces matchs-là. Et on va vite les citer. Mbemba, comme je vous ai dit, il a complètement perdu la tête. On ne sait pas ce qui lui arrive. Rongier, c'est du grand n'importe quoi. Veretout, à la limite, je le mettrais sur le terrain à défaut d'eux. Et on va dire que Kounahi, physiquement, c'est plutôt moyen. Et par contre,
tu as, comment il s'appelle, Lodi, c'est du grand n'importe quoi, et Klaus, il a deux doigts de lâcher un pleur, une larme. Donc voilà. Tu me fatigues, Tiefada, arrête-toi de Monaco, j'espère qu'on va se faire déglinguer par Monaco, comme ça les Marseillais vont enfin arrêter de rêver avec cette équipe. Imbécile, on n'est pas en train de rêver, on est en train de te dire qu'on n'a pas une équipe, on est en train de voir après ce qu'il peut faire. Mais franchement, où tu as vu, mais où, dis-moi, t'as appris où, dans quoi le foot? Dans, comment ça s'appelle, le football pour les nuls? Non mais sérieusement, allez. Moi, je voulais vous dire une chose avant qu'on va couper dans 5 minutes. Je voulais dire une chose, moi, je parle pour tout le monde en général. Je voudrais avoir votre réponse. Voilà, moi, je vais dire le premier, ce que je pense. Voilà, est-ce que vous pensez, vous, qu'on va finir dans les 3 premiers cette saison? Non. Les quatre premiers. Les quatre premiers. Moi, pardon, maintenant, c'est un nouveau système. Les quatre premiers. Moi, je vais parler le premier, parce qu'après, je vous laisserai la parole à Scrape, qui est en dessous de moi, à James, à tout ça qui va faire la rayon. Moi, je pense, je dis non. Je le dis franchement. Moi, je dis non 100%. On ne va pas finir dans les quatre premiers. On va galérer. Et on va souffrir cette année-là. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Maintenant, je passe là à Slim. Voilà, comme tu veux. Ah, Slim, Skret, pardon. Moi, je ne sais pas, ça dépend qui va coacher ou pas. Il y a de quoi faire avec cette équipe. Il faut voir qui va venir coacher. Bah, la question, en fait, c'est est-ce qu'avec cette équipe-là, avec ces joueurs-là, merci, dans ce championnat, tu peux finir dans les quatre premiers. Voilà. Ah oui. Et pour toi, James, ton avis là-dessus? Moi, oui, mais après, voilà, ça va être le choix de l'entraîneur qui va être important. Est-ce que même pas le choix, c'est comment les joueurs vont réagir avec la nouvelle direction sportive qui va arriver et qui va coacher. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une amalgame entre le nouvel entraîneur et le groupe, quoi. Voilà. Si c'est le cas, oui, on va terminer dans les quatre premiers. Parce que malgré les mauvais résultats là, on n'est pas loin, quoi, tu vois. Il n'y a rien de catastrophique, en fait. Au niveau comptable, il n'y a rien de catastrophique. Non, ça, c'est sûr. Il ne faut juste pas enchaîner, il ne faut juste pas rentrer dans une mauvaise spirale, quoi. C'est ça. Tac, Jérém. Ouais, je pense que sur le papier, oui. Maintenant, dans l'état d'esprit, dans tout ce qui se passe au sein de l'Olympique de Marseille, J'ai quand même des doutes. Maintenant, je vais espérer, je vais y croire, mais j'ai peur, quoi, parce que je vois qu'il y a des équipes que ça tourne très bien et que dans le jeu, c'est beaucoup mieux que nous et que nous, on va devoir encore… Là, il y a la méthode Pancho. Après, on ne sait pas quand le nouvel entraîneur sera nommé et qui sera nommé. Nouveau système, nouveau truc. Donc les points qui seront perdus seront durs à rattraper. Donc j'espère y croire, mais avec le début de saison compliqué qu'on vit, j'ai du mal à y croire quand même. Ok, merci Jérémy pour ton analyse. Abda. Ouais, moi je dis que faut attendre l'entraîneur, un nouvel entraîneur, nous insuffler quelque chose de nouveau. Par rapport au système, là, on change un petit peu, on fait des choses. Voilà. Après, Bernardo, il se met là, il fait le pompier. C'est trop juste, mais là, il faut vraiment reprendre tout à zéro. Pour moi, tout à zéro. Vraiment, mettre un coach qui va venir avec une idée, mais une idée qui nous. Voilà, une idée offensive, pas une idée défensive, une idée qui date des idées de jeu qui datent d'il y a 30 ans. Voilà, quelqu'un qui est confirmé, quelqu'un qui connaît le football, pour moi, le football actuel, pour remuer cette équipe, parce que franchement, je ne vois pas comment ils vont se sortir les doigts des fesses, comme on dit, parce que là, ils sont complètement plombés, se faire écraser, la honte qu'on a eue hier, je pense qu'ils sont sur le terrain, donc je pense que pour eux, ça va être dur aussi de relever la tête, hein, parce que quand tu prends tout ce qu'ils ont pris hier dans tous les compartiments. Je pense que ils doivent se dévaloriser.
bien sûr, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, pour eux, soit ils relèvent la tête, mais il faudra quelqu'un qui leur apprenne à relever la tête. On peut parler de Galtier, comme j'ai entendu, mais un Antonetti, les gars, même si ce n'est pas le plus gros technicien, des fois, tu vois, il faut le genre de gars qui soit un peu dur, il faut quelqu'un qui met la patte sur cette équipe et qui leur fait comprendre où c'est qu'ils sont et que si jamais ils ne rentrent pas dans le rang des exigences du club, qu'ils ne vont pas jouer. Parce que pour l'instant, Abda, est-ce que Abda, j'ai une question pour toi. Oui. Une question pour toi, Abda. Est-ce que tu penses que Antonetti, s'il gueule sur Correa, sur Aubameyang, sur Sarr, tu crois qu'ils vont le respecter? Ils vont dire, tiens, Antonetti, frère, tu as entraîné Metz. Ouais, mais tu vas me dire à moi, j'ai joué au Barça, joué à Chelsea, j'ai joué à Dortmund. Toi, t'as joué que le maintien dans ta carrière. Tu vas me dire à moi de comment jouer. Il faut équilibrer l'équipe et l'entraîneur. Il faut pas qu'il y ait un déséquilibre, justement. Ouais, mais pas de passe droit, Momo. Il n'y a pas de passe droit. Là, il n'y a plus de passe droit. Là, il n'y a plus de passe droit. Il n'y a plus de passe droit. Excuse-moi, Momo. Tu ne veux pas mouiller le maillot. Même si t'es Tetti, Tata, tu t'en fous. Tu ne mouilles pas le maillot. Même si tu es celui-là que tu crois que tu es, alors, tu ne joues pas. Je rentre dans ton raisonnement. Imagine, il y a 4 joueurs, ils ne veulent pas mouiller le maillot. Tu vas faire quoi? Eh ben, t'en mets d'autres à leur place. Ah, et tu mets qui? Celui qui veut mouiller le maillot. Ah, d'accord. Et alors, du coup, après, je suis assez d'accord avec Abda parce que, en fait, là, j'ai l'impression que le joueur passe au-dessus de l'entraîneur et de l'institution. Et c'est ce qu'on a on se foutait de la gueule du Bois de Boulogne par rapport à ça. Et ben là, maintenant, n'importe quel entraîneur qui soit nommé, tu le respectes. Que ce soit Antonetti, que ce soit Dupraz, que ce soit un mec, c'est ton entraîneur, c'est lui qui décide. Tu fermes ta gueule. Et voilà, le mec, s'il dit que tu n'es pas content, tu vas cirer le banc. Et voilà. Là, je suis d'accord avec Abda, quoi. Désolé. Tu as fini, Abda? Ouais, c'était juste ce que je voulais dire. On avait des Soglos qui étaient là en début de saison. On avait des Soglos qui étaient là. Ce n'était pas forcément le plus doué de l'équipe. Je suis d'accord, mais si le gars, il va se donner, je vous dis franchement qu'il y aurait eu moins de trous hier, il y aurait eu plus de courage. Et voilà. Et après, si tu perds 4-0, ce n'est pas grave. Au moins, il aura donné tout ce qu'il aurait voulu donner. Ouais, je pense que s'il y a un Français à prendre, c'est Antonetti. Qui est libre, là, c'est Antonetti. Oh, non, moi, j'ai dit ça, mais voilà, c'était comme ça. J'étais genre fini, Abda, on laisse la parole à Steve. J'ai fini. Steve prend la parole et après, à un moment, le Fennec est remonté. La réponse est évidemment non. On n'a pas le niveau. Évidemment que non. On n'a pas le niveau. Il va falloir forcément se renforcer pendant le mercato d'hiver, ce qui veut dire que tu vas faire comme d'habitude, devoir gérer, on va dire, des départs rapides de certains joueurs, ou en tout cas des prêts rapides pour éviter que celle-ci perde de la valeur marchande. Tu en as d'autres que tu peux essayer de relancer avec un entraîneur. Donc, il va falloir déjà trouver l'entraîneur, ce qui n'est pas gagné. Antonetti, Dupraz, en effet, ce sont des gars avec une bonne bouille, mais franchement. Dupraz, ça n'a rien à voir. Mais s'il vous plaît, ne comparez pas Antonetti et Dupraz, franchement. Non, mais c'est pas ça, mais c'est pour te dire ça. Moi, c'est un peu le même profil d'entraîneur. C'est des entraîneurs qui viennent sauver des équipes qui sont en train de faire le maintien. Antonetti, il a fait des choses. Il a plus, oui, je suis d'accord avec toi. Antonetti, il a plus de. À Bastia, ce qu'il a fait, c'était énorme avec l'équipe qu'il avait. Voilà. Même à Bastia, les gars, même quand il avait Bastia. Hein. Et Bastia, il a fait des bonnes choses avec Bastia, oubliez pas. Non, mais clairement. Mais ce que j'en parle là, c'est que voilà, il va falloir forcément se renforcer à un moment donné. L'équipe en soi, elle n'est pas mauvaise. On connaît tous la qualité de certains joueurs qui peuvent vraiment se dépasser s'ils le souhaitent. Le seul truc, c'est que la préparation a été minable. Certains joueurs ont perdu pied parce que simplement, ils n'ont pas encore le niveau mental ni le niveau technique pour ça. Ça se travaille, tout ça. On est d'accord. Après, pour moi, il manque quand même cruellement deux types de joueurs. Un patron dans l'équipe et un gars sur qui on peut se reposer techniquement. Pour un meneur d'homme, il va te mettre en place défense déjà qui ne va plus bouger. Il va te l'installer toute la saison et comme ça, il va avoir une base dans cette équipe parce que là, on ne sait même plus en fait. Voilà, mais clairement. Et en tout cas, voilà. Mais après, en soi, le 4-3-3 qui est proposé, même si on a vu que défensivement, c'est du grand n'importe quoi, offensivement, c'est encore un peu faible physiquement. Et le milieu de terrain défensif, ils sont complètement à l'abandon. Enfin, même pas à l'abandon, ils sont complètement à la rue. Voilà, il faut simplement prendre un patron. Le problème, c'est le système. Gérer tout ça. Vraiment le problème. Oui.
Pardon, j'ai pas entendu. Je crois que vraiment le problème qu'on a, c'est le système de jeu. Non, c'est pas le système de jeu, c'est le problème. Non, non, c'est le mental. Et t'as pas de patron dans l'équipe. Je suis désolé, il n'y a pas un gars que tu peux, à qui tu peux donner le brassard. Je suis désolé, c'est impossible. Je voulais te dire pire que ça. Tu peux même à la limite donner le brassard, tu sais à qui ? À Balerdi, pour te dire. Parce qu'au moins, lui, la différence, c'est que lui, il lâche pas. Voilà. C'est un empoté, on est tous d'accord là-dessus. Mais le mec, il ne lâche pas. Tout comme Vitinha, il ne lâche pas. Je leur donnerai à tous les deux le brassard, si c'était possible. Pour te dire jusqu'où ça va. Parce que mentalement, ils sont tous à la rue. Il y a Gigot à la limite. Je ne serais même pas à qui le donner, moi. Moi, je serais le coach, je ne serais même pas à qui le donner. Pour te dire où j'en suis, je ne serais même pas à qui le donner. Personne aujourd'hui montre une attitude de combattant et de guerrier. Je ne vois personne. Je ne sais même pas à qui le donner, moi. Moi, je le jette en l'air et le premier qui l'attrape, c'est lui le capitaine. Mais dans l'histoire, et je vais terminer par rapport à ça, dans l'histoire, en soi, vous me dites, est-ce qu'avec cette équipe, on peut arriver loin ? Non, actuellement, non. Avec toutes les équations possibles, non. Et même si on a un entraîneur, il va falloir quand même à peu près 2 mois, je le dis, et même si Tefada, t'es pas d'accord avec moi, et franchement, je m'en fous royalement, je vais te dire une chose, il va falloir minimum 2 mois pour remettre d'aplomb une équipe pour qu'elle soit à peu près potable, pour qu'elle puisse au moins finir parmi les 6-7 premiers. Voilà. Donc, je sais que tu n'es pas forcément d'accord et je peux comprendre. Moi, je dis, je serais même capable de donner le brassard à Balerdi parce que, à la limite, c'est peut-être ça qui a plus ou moins, on va dire, une sorte de grinta, puisqu'il n'y a personne qui l'a. Tu ne me diras pas le contraire. Maintenant, le souci, c'est qu'il nous faut déjà un entraîneur qui puisse déjà les remettre tous à plomb, qui nous fasse une préparation, on va dire, qui soit correcte, puisque Marcelino, il nous a fait n'importe quoi, il nous a fait perdre du temps, plus qu'autre chose, et une qualification en Champions League. Et peut-être d'ici 2 mois, si on n'est pas trop à la ramasse et qu'on arrive à se qualifier, ne serait-ce que pour la Conférence League, peut-être que tu peux espérer quelque chose. Et je dis à peut-être. Et tu oublies déjà la Champions League l'année prochaine, parce qu'il y a tout à reconstruire. Voilà. Tu te rends compte, Slim, tu te rends compte, Slim, du projet de comment il descend, quoi. C'est-à-dire que on parlait, je vais faire court, on parlait de qualification régulière en Champions League. Là, on parle de simplement se qualifier en Conference League. Franchement, moi, ça me fait peur. Où il en est le projet, quoi. Après, je vais juste répondre à Johan. On n'a pas dit que Antonetti et Dupraz, on les voulait comme coach. On parle de coach capable d'apporter cette grinta, cette mentalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le foutoir qu'il y a à l'Olympique de Marseille, quel entraîneur va vouloir venir ? Voilà. C'est ça aussi qu'on se pose comme question. Slim, tu as fini, Slim ? Moi, c'est bon, j'ai fini. Je vais simplement dire à Tiefada, rembobine. Comme ça, tu vois ce que j'ai dit. Et tu comprendras qu'il faut 2 mois minimum pour peut-être espérer quelque chose. Espérer quelque chose. Voilà. Pour le reste, faute, pénalité, non, dehors, mais il n'y a pas faute. Excusez-moi, avant de laisser la parole à Momo de Fenech, après, ce sera notre petit génie, Momo de Miami. Vas-y, prends la parole, Momo de Fenech, après, ce sera Momo le petit génie, et après, comme il s'appelle, je prendrai la parole de la fin. Vas-y, Momo Le Fenech. Ok. Bon, les gars, là, je viens de voir là, sur l'équipe. Apparemment, contact établi entre Galtier et l'OM. Rien n'est fait. Mais en tout cas, apparemment, il y a eu des contacts entre la direction et Galtier. Donc, moi, je suis contre. Hein. Je pense qu'on est tous contre ici. Même s'il n'y aurait pas eu toutes ces casseroles, cette histoire de racisme, on ne connaît pas le fond de l'histoire, PSG, machin, tout ça. Là, j'aurais été d'accord, mais bon, enfin bref. Je voulais revenir par rapport à la liste des entraîneurs. Hein. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Scred. Je partage son avis sur ça. Antonetti, je pense que ça peut être l'homme de la situation pour le moment, j'ai bien dit. Parce que quand on est l'Olympique de Marseille, on demande à un entraîneur vraiment, beaucoup plus, on va dire, sexy, entre guillemets. Mais il faut quand même. Moi j'ai 50 ans et j'ai toujours vécu avec Antonetti. Antonetti, ça fait 30 ans qu'il est dans le football. Il connaît tous les rouages, il connaît la Ligue 1 et surtout, c'est un entraîneur qui connaît la pression. Il n'a jamais été dans le confort, ce mec-là. Et d'ailleurs, j'ai regardé une interview d'Antonetti qui est vraiment très, très, très intéressante.
je crois que c'était une interview de l'équipe où il s'est dévoilé, il a raconté un peu sa vie, il a raconté un peu son enfance et il a raconté son parcours dans le football. Et il disait qu'en fait, dans le football, bah, il était mal aimé, mais il s'est battu tout de même parce qu'il était corse. Et donc, il y avait toujours un petit peu cette petite légende corse, un peu comme Marseille, l'île de voyous, Corse, mafia. C'est tout ce qu'il disait, c'était mal interprété, procès d'intention et tout ça. Et donc, en fait, c'est un entraîneur qui a des idées, c'est un meneur d'hommes. C'est un entraîneur qui va pouvoir amener de la rigueur, qui va pouvoir un petit peu secouer un peu toutes les petites starlettes, là, ceux qui se prennent pour des stars, là, les Aubameyang et tout ça. Je pense qu'il va pouvoir les secouer bien comme il faut. Il a un caractère bien trempé. Duprat, c'est pas. Ouais, il faut pas trop. Ils ont peut-être le même profil, mais il faut vraiment pas les comparer, les gars, parce que Duprat, il a commencé avec Evian. Bon, c'est vrai que c'est un homme qui a. Il a eu une petite carrière de footballeur. Il a passé toute sa vie dans le football, avec tout le respect que j'ai pour Duprat. Il a quand même fait de belles choses avec Evian, tout ça, ok, bravo à lui. Mais Antonetti, c'est quand même un entraîneur confirmé de Ligue 1, certes, ce n'est que la Ligue 1, mais on lui avait même posé la question lors de l'interview, on lui avait demandé, mais comment se fait-il que justement on ne vous ait pas accordé une chance dans des clubs plus huppés comme Monaco, comme Marseille, tout ça, où lui, il aurait aimé, hein, il a dit qu'il aurait aimé. Il a dit, mais malheureusement, j'ai toujours été mal jugé. J'ai toujours été mal jugé. On a toujours eu ce cliché un peu du Corse, désobéissant, mauvais garçon, tout ça, alors qu'il ne l'est pas du tout. Alors qu'à la base, c'est un homme plutôt timide. Enfin, voilà, si vous voulez vous imprégner un peu du personnage, vous regarderez cette interview qui est vraiment très, très intéressante. Et je pense que quelqu'un comme Antonetti, ou même Favre, je suis d'accord avec James, hein, Favre, ça aurait peut-être aussi pu être une solution. Hervé Renard aussi, ça me plaît beaucoup. Mais Antonetti, pour l'instant, je pense que ça peut être en tout cas la solution de dépannage afin de faire un travail, rattraper un peu la misère. Ça va être un peu un cache-misère et il va pouvoir travailler avec tout le long de l'année, le temps de se retourner. Et puis surtout, c'est un entraîneur qui a du caractère, c'est un meneur d'hommes. Et c'est un entraîneur à qui on ne peut pas marcher dessus, on ne peut pas lui dicter quoi que ce soit. Il a une idée de jeu, il sait ce qu'il va faire à l'Olympique de Marseille. Et surtout, c'est un entraîneur qui, lors des conférences de presse, il n'hésite pas à monter au créneau. Donc, on se plaint de Longoria, qui ne monte pas au créneau, tout ça. Bon, c'est malheureux ce que je dis. Hein. On ne va pas demander à un entraîneur de faire le rôle de président. Mais au moins, on aura déjà une grande gueule et on aura un entraîneur charismatique et un entraîneur qui pourra, on va dire... peut-être rallumer cette petite flamme, ce caractère qu'on recherche à l'OM. Voilà, c'est, je pense, la solution. Il va faire peut-être office de pompier dans ce club. Je pense qu'il va fracasser des portes et il va dire bon, moi je suis là maintenant. Vous me laissez travailler. Vous voulez que je rattrape un peu, que je redonne un peu d'envie à ces joueurs. Je pense que il a les reins pour. Parce que c'est un entraîneur qui n'a jamais été dans le confort. Il a toujours eu la pression partout où il a été. Toujours. Donc, il est habitué à ça. Et je pense que le contexte marseillais ne lui fera pas peur. Hein. C'est un vieux de la vieille. Hein. Moi, je vous dis, j'étais gamin, je l'ai suivi à Bastia. C'est vrai qu'il a fait du très bon boulot. Il a fait plein de petits clubs. Il n'a jamais eu la chance de faire des gros clubs. Et je pense que là, il a pris quand même bon, de la maturité depuis. Et je pense que ça peut être un bon... Alors, je ne dis pas que c'est le top. Mais ça peut être un bon profil, gars, en tout cas, pour gars, entre quoi, là. Les gars, moi, je vais vous donner mon avis. Si Antonetti vient au club, moi, je vous dis, il faudra commencer à se faire du souci pour l'OM. D'accord ? Ce n'est pas un entraîneur taillé pour l'OM. Pour moi, c'est mon avis personnel et je respecte par le vôtre. Par rapport à quoi ? T'as dit par rapport à quoi ? Par rapport c'est à quoi? C'est pas du tout un entraîneur pour l'Olympique de Marseille. Il n'a pas du tout la carrière. Non, mais on le sait. On le dit comme toi. Demain, on a Duprat ou Antonetti, je commence à m'inquiéter. Et là, Longoria, c'est moi, je vais aller le menacer. Est déjà inquiet. Momo. Non, mais au bout d'un moment, les gars, on est tous en train de dire on est l'OM, c'est l'Olympique de Marseille, et après on veut Antonetti. Momo, excuse-moi, avec tout le respect, écoute-moi. Moi, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que Antonetti
c'est un entraîneur taillé pour l'OM. Mais je pense, en tout cas, qu'il va pouvoir un peu, on va dire, apporter cette pierre à l'édifice pour redémarrer un peu la machine. Et je pense que dans ce contexte-là, il aura les épaules. Après, si on avait un Olympique de Marseille, on va dire stable, là, c'est sûr que je te dis non. Parce qu'il n'est pas taillé, mais là, pour l'instant, est-ce qu'on peut dire ça? Momo, ouais. Ton micro il déconne, Momo. Oh, Momo, ton micro il déconne, frérot. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Dans l'aquarium, on a rien entendu de ce que tu as dit, frérot. Ah, d'accord, ok. Non, mais Momo, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un Galtier, moi je ne remets pas en cause ses qualités d'entraîneur, mais tu vas avoir un entraîneur qui va être entraîneur peut-être de l'OM, et le gars il est mis en examen pour. Alors, il n'est pas bien sûr présumé innocent. Il est innocent pour l'instant, mais il a quand même mis en examen pour des propos racistes. Et ce gars-là va représenter nos couleurs. Je pense qu'avant de venir, moi, je veux bien qu'il devienne entraîneur de Marseille, mais avant ça, il faut qu'il règle ses problèmes judiciaires, surtout pour des alors, pour te répondre, James. Alors moi, j'ai pas dit que je voulais Galtier. Attention, hein. Je parlais d'Antonetti. Et pour moi, Galtier, je te rejoins là-dessus à 100%. Pour moi, Galtier, je ne pense pas du tout qu'il va venir à l'OM. Je n'ai pas envie de dire que je suis sûr à 100% qu'il ne viendra pas. Mais je suis quasi parce que ça serait du suicide de prendre un entraîneur à l'OM où on est en crise, où on essaie de se sortir de la crise, sachant que lui, au mois de janvier, ça va être son procès. Donc, du coup, si ça nous prend 2-3 mois pour sortir de la crise, et donc au mois de janvier, on va rattaquer la nouvelle année avec l'entraîneur au milieu de scandales. Il va avoir peut-être des écoutes téléphoniques. Ça va encore perturber l'équipe. Donc moi, vous m'entendez là? S'il prend, ouais, on t'entend. Là, s'il prend Galtier, ça c'est une grosse erreur de la part de Longoria. Enfin, pour moi. Je vais aller très vite, Momo, si vous permettez, je vais aller très vite pour te répondre. Si on avait été dans un contexte, on va dire à peu près normal, et que là, on m'aurait dit Antonetti, j'aurais dit non 1 milliard de fois. 1 milliard, je t'aurais rejoint à 1 milliard de pourcents. Là, tu me dis, je commence à m'inquiéter, mais on est déjà inquiet depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation en fait où le listing en termes d'entraîneur, il n'est pas énorme. On n'a pas très grand choix. Là, on doit trouver un entraîneur de caractère. On se doit d'être pragmatique et de faire un minima le boulot pour limiter la casse. Donc, pour limiter la casse, bah forcément, tu auras un entraîneur qui n'est pas forcément taillé pour un OM normal. Là, on n'est pas dans un OM normal. On est dans une. L'OM est devenu une bête blessée, d'accord? C'est comme si, par exemple, tu as une maladie, une épidémie, par exemple, et que tu vas faire venir des infirmiers et des gens pour aider les infirmiers, parce que même s'ils n'ont pas de diplôme, ben, c'est l'urgence. Ben, je grossis un peu le truc, hein, c'est un peu grossier ce que je dis. Mais en fait, là, je pense que, étant donné qu'on a besoin quand même maintenant, les joueurs ont besoin d'un entraîneur qui va leur inculquer un caractère et qui a l'expérience de la pression, qui a l'expérience de la Ligue 1, et surtout, il ne va pas hésiter à leur rentrer dedans certains s'ils ne veulent pas bouger leur cul. Voilà, c'est tout. Maintenant, je te rejoins, Momo, je te rejoins. C'est vrai qu'Antonetti, dans une conjoncture normale, il n'est pas taillé pour l'OM. Là, je te rejoins à 1000%, Momo, il n'y a pas de souci. Mais actuellement, moi, tu sais, j'ai toujours l'habitude, tu commences à me connaître, Momo, en fait, j'ai toujours l'habitude de contextualiser les choses. Là, on est dans un contexte où il y a urgence. Ou alors, on continue avec Abardonado pendant un certain temps, on prend notre temps, et puis on attend même jusqu'à la fin de la saison ou au mercato d'hiver, et là, on verra. Mais pour l'instant, on doit ramener quand même le pompier qui va pouvoir peut-être éteindre un peu le feu. Et je pense qu'Antonetti, je pense quand même qu'il a une certaine petite légitimité, même si elle n'est pas énorme. Voilà, ouais, c'est mon avis. Hein. Après, ça n'engage que moi, hein, les gars. Ouais. Momo, si je peux. Si je peux. Excusez-moi, il faut laisser la parole à Momo, autrement on va continuer. Ça fait 30 minutes là qu'on continue. Moi, j'ai fini. Hein. Moi, j'ai fini. Non, il faut que je parle à Jérémy. Excusez-moi, Jérémy. Tu peux, vas-y, parle, vas-y, laisse-le. Vas-y, Jérémy, dis ce que tu as à dire. Vas-y, mon ami. Moi, Antonetti, c'est la situation. Ciao, James. À plus. Ouais, vas-y, je suis d'accord avec toi qu'Antonetti, ça peut être la situation d'urgence. Mais on nous parle beaucoup de stabilité, de quoi que ce soit.
pense pas que Antonetti, dans la durée, puisse s'installer à l'OM. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour une fois, continuer comme peut-être certains prétendent jusqu'à la fin de la saison, c'est tout. Jusqu'à la fin de la saison. Je ne laisse pas finir, mais moi, ça ne va pas être long. Est-ce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à la trêve internationale qui va arriver dans pas longtemps? Tu as Monaco, Brighton et Le Havre. Tu continues avec Abardonado sur ces trois matchs et tu essayes d'amener un entraîneur qui peut s'inscrire sur la durée. Il ne faut pas commencer à prendre un Antonetti pour qu'à la fin de la saison, il se barre. Il faut quelqu'un d'autre. Et voilà. Bon, c'est pas grave. L'été, tu cherches un autre. C'est pas grave, ça. Au moins, tu fais la saison avec lui. Ouais, mais après, vous allez dire que Longoria, tous les six mois, il change d'entraîneur. Mais non, là, c'est un autre cas. C'est un autre cas, Momo. C'est un autre cas. Là. Oui, mais bon. Là, c'est un autre cas. Ben oui, parce que là, il s'est trompé sur le casting. Donc, il faut vite corriger le coup. Et jusqu'à la fin de la saison, il repartira à zéro après. Enfin, moi, c'est mon avis. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est le pansement. Lui, Antonetti, ce serait le pansement pour l'instant. OK. On verra comment ça va se passer cette semaine. On va se retrouver mercredi, pareil, à 18h30, les amis. Donc, soyez présents. On aura sûrement des nouvelles informations à propos du futur entraîneur. Toto, je te laisse le mot de la fin, mon ami. Voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui sont montées sur le chat, qui sont nouvelles personnes qui sont abonnées, les personnes qui étaient en live avec nous. On a fait une belle discussion. N'oubliez pas d'envoyer des pouces et de vous abonner quand vous regardez le reflet. Mais je voulais vous dire franchement, je vous remercie le chat. Pourquoi on était depuis presque 2h30. Vous étiez dans le chat, on était nombreux, mais vraiment nombreux. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pourquoi ça veut dire que l'émission vous a régalé. Et je voulais vous dire encore une chose. N'oubliez pas que hier, vous nous avez régalé sur le live que Momo de Miami a fait, sur le match en direct. Et Momo nous a régalé aussi. Alors, donnez de la force. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, ça ne coûte rien. Et envoyez des pouces. Et une chose, moi, au début de l'émission, j'ai pensé, j'ai dit ça que je pensais. C'est la vérité. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'aime l'OM à ma manière. Et voilà, celui-là qui n'est pas d'accord, eh bien, moi je ne me changerai pas à 71 ans. Moi, je connais l'OM depuis 1960 que j'allais avec mon grand-père. Voilà, j'allais à Livonne. Maintenant, je crois qu'il y a tout le monde qui connaît. Ouais, non, mais c'est la vérité. Ah. Mon grand-père, il m'a amené. C'est ça de là. Mais après, quand il y a des personnes que tu vois qui veulent... Moi, je suis Marseillais, c'est pour ça. Et voilà, même que c'était mon idole, Scoblar, Manisson, s'il faisait une patate, eh ben, on le critisait. Ça, c'est notre mentalité. Dans les bars, tout cela, ça, c'est Marseille, putain. Et qu'il y en a qui ne connaissent pas, qui veulent être plus Marseillais que Marseillais. Ça, je ne veux pas. Moi, je respecte tous les supporters de l'OM, dans le monde entier. Mais tu ne connais pas la mentalité, alors ne te mets pas. C'est comme moi, je ne connais pas un pays, je ne vais pas parler de ce pays. Et Marseille, oui. C'est extraordinaire. Marseille, ils ont une mentalité extraordinaire. Le peuple marseillais, il est comme ça. Tu vas perdre. Tous les Marseillais, le lendemain matin, le lundi au bar, il va te faire une tête de mort. Ils ne vont même pas se parler. Ils vont boire le café ou le pastis, je ne sais pas quoi. Et après, au travail, ils vont faire une tête de mort. Tu ne rigoles même pas. Ça, c'est la mentalité. C'est notre mentalité. Tu vas jouer, ils vont se mettre à genoux. Ils vont t'embrasser. Ça, c'est notre mentalité, peut-être. Alors, ne me dites pas que je suis anti-marseillais. Moi, je critique Marseille. Et je le dis franchement. Pourquoi ? J'aime Marseille. J'aime ma ville. Et je ne mâche pas mes mots. C'est ça. Je ne mâche pas mes mots. Ça veut dire le supporter marseillais dans le monde entier, il faut qu'il soit comme ça. Et Marseille, ça a toujours été comme ça. Il ne mâche pas ses mots. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Et merci, à mercredi avec Momo le petit génie. Et peut-être je serai le mot là aussi. Allez. Merci Toto. Merci à Scred d'être venu. Merci à Géré. Merci à Abda. Merci à Slim, merci à Momo Le Fennec, merci à James. On salue aussi Bruno qui était monté tout à l'heure. Kamel aussi. Voilà, c'était la première fois qu'il montait avec nous. On te salue Kamel. Et comme l'a dit Tonton tout à l'heure, merci à tout le chat. Voilà, vous avez été super. Chefada, Patricia, Karim, Yo-Yo, Hassan, Hussein,
Et tout le reste, super nombreux. Voilà, Ted aussi, Totov, Jean-Christophe, notre cadre national, Serge Bian, Amar aussi qu'on salue, notre cadre national, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète. Et voilà, Monaco, à tout le reste. Faut pas oublier voilà. Ah oui, Lodo Monaco, merci pour ton don tout à l'heure aussi. C'est vrai, en début d'émission. Merci à toi, mon ami. Merci à tous, les amis. Passez une bonne soirée. Bon courage pour ce début de semaine. Et on se dit rendez-vous mercredi, 18h30. Voilà, les amis. Allez, l'OM. Allez, l'OM.